Les anciens, je vous salue. Igwe. Nguano. Yeah. Zwano. Yeah. Kuezuedu. Yo. Mon conseil des anciens. Igwe. Igwe. Aujourd'hui est un jour spécial dans notre communauté. Voilà. Le jour que nous avons prévu pour honorer notre illustre fils. Nandi Okoko Okone. Vous savez très bien que chez nous on dit une perle rare coûte toujours très cher. C'est ça. Ce n'est pas tout, il faut battre le fer. Quand il est en cours. Oh oui, c'est ça. Continue à faire. C'est vraiment ça. Tu as ma bénédiction. Igwe. Mon fils, tu es en train de bien faire. Tu as été une source d'inspiration dans cette communauté. Tu es un grand accomplisseur. Oui. Tu as construit par toi-même une route de 5 km, la route de la communauté Ifuta, qui nous relie avec Omoeke. Oh, Igwe. Tu as aussi construit par toi-même l'église catholique Saint-Philippe, là où nous allons tous prier aujourd'hui. Oh, oui, oui, oh, oui. Oh, oui. Ça c'est vrai. Igwe, bien parlé. Tu as été un abri pour la communauté Igbo qui habite en centre. Effectivement, Igwe. Combien de choses je vais citer. Tu as construit des routes qui nous mettent en contact avec le village qui sont tout autour de nous. À cause de tous ces faits et toutes les choses que j'ai oubliées, moi, Igwe Ogilisi, premier de la communauté de Fita. Lolo. Igwe. Membre de mon cabinet. Igwe. Et toute la population de la communauté de Fita avons décidé de t'être reconnaissant. Parce que c'est lui à qui l'honneur est donné. Beaucoup de choses sont entendues de lui. Et tout le monde qui n'a pas de problème. Oh, mais comment ça va? Namde Kwanuma. Igwe. Passe ici. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait ici chez nous. Un homme. Igwe. Oh mon yame. Donne-moi ça. Oh mon anabiso ya solo. Allez. Igwe. Igwe okensi. Oyo ya biso mwana. Puis-je le couronner? Oh oui, allez-y. Oui. Allez-y, Igwe. Allez-y. Allez-y. Par la présent, j'ai ton or. Avec ce titre honorifique. Ezigbo d'Afrique du Sud. Igwe. South Africa, Ochelo Bodo Ibo Burike Wenata, Ninewe Iwe Kwete, Ezibo Bodomu, Ezibo Chiloswa, Arana Sumwa, Ochelo Bodo Ibo Burike Wenata, Ninewe Iwe Kwete, Ezibo Bodomu, Ezibo Chiloswa, Arana Sumwa. Chuku kelo galanya o iwuna oga bali na mezu kama oge kogeli onye chuku kunulie nu o iwuna nne madu na
Mon âme repose en paix. Repose en paix, mon ami. Yeah.
Bonnier. L'homme dont on parle, un chéri. Monsieur N, l'homme le plus dangereux. Nous ne sommes pas allés en Afrique du Sud pour chercher du travail. Exact. J'ai beaucoup de travail ici à faire. Je vais plutôt aller arracher les buissons que de rester inactif. Je suis allé en Afrique du Sud pour chercher de l'argent. Est-ce que tu sais que les hommes, les vrais, ce sont ceux-là qui racontent des histoires, qui font comme Wikipédia. Ils aiment Danny. Santé. Ma, vivons mon ami, Kamada. C'est du vrai. Oh, aussi. C'est fort. À combien? Je veux utiliser cette opportunité une fois encore de plus pour te remercier sincèrement pour le soutien et pour le temps que tu avais consacré à l'enterrement de ma mère. Je t'en suis reconnaissant. Hein? Et qu'elle aime, qui qu'elle y fait, l'aime, elle y fait. Qu'elle y fait, l'aime, elle y fait. Onogozemi. À combien? C'est la raison pour laquelle j'aime bien marquer l'histoire pour que celle-ci soit expliquée sur Wikipédia. Pourquoi sommes-nous amis? Tu me remercies, pourquoi? Pourquoi me remercies-tu? Ce sont juste des choses qu'on fait pour nous-mêmes. Ah mais... Attends, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Lors de ma fête, te rappelles-tu de comment tu as utilisé les dollars pour jeter sur tout le monde? Tu jetais tes dollars sur tout le monde qui dansait. Tu sais, tous mes voisins avaient profité de ta générosité. Tu avais fait pleuvoir les dollars ce jour-là. Tu avais jeté des dollars partout. Il y a même certains qui ont retrouvé des billets dans leur chambre puisque tu jetais des dollars comme du n'importe quoi. Afagé, Bakwamia. Ton nom est cette terre qui produit de la richesse. Kumialeha. C'est exactement comme c'est moi. C'est tout ça qu'il sait. Regarde, tu avais quand même exagéré. Mmh. Ah non, ma terre. Onyawa. T'es mauvais. Tu es très mauvais. Alors dis-moi, quand est-ce que tu vas rentrer en Afrique du Sud? Peut-être dans 2 semaines. Je veux régler certaines choses avant de repartir. Mais mon garde, mon sort, partira bientôt afin de continuer à gérer les choses en attendant mon retour. Ok, trop bien, je vois. C'est comme ça que je l'ai planifié. Mais en ce qui me concerne, mon agence a déjà trouvé un billet pour moi. D'accord. Alors demain à 10h. Ok. Donc avant même qu'il ne soit 10h, je dois déjà être à l'aéroport pour ne pas rater mon vol. Oui, pour les gosses. Oui. En réalité, il y a pas mal de choses, 2 ou 3 choses que je dois gérer ici à Lagos avant que je ne puisse bouger. Ok. L'affaire se présente comme suit. J'ai au fait mes amis qui proviennent du Brésil. Ok. Alors je dois être prêt pour les accueillir. Très prêt. Je dois leur préparer la route. Je dois tout nettoyer. Ça c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? La méthode forte, hein, c'est ça c'est dont j'ai besoin. C'est important, tu sais, non? C'est important. Oh oui. Mais est-ce que tu attends la poudre noire et blanche? Tout est noir. Ok. Sans que j'ai. Ok. Mais initialement, j'avais demandé qu'il puisse me donner 50 kg. Ok. Noir et puis 50 kg blanc. Comme ça sera un mélange de 100 kg. Mais vu que c'est seulement le noir qui sont disponibles,
D'accord. Ok, ok. Avançons comme ça. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner 50 kilos de la blanche et prendre 50 kilos de la noire. Hey. Tu vois l'idée, non? Tu es mon élément sûr. Obvio. Ezebo. En personne. Pas de nerfs. Regarde, tu vois maintenant pourquoi je t'appelle Ezebo, hein? Mon cher, tel que tu es là, tu es Wikipédia. Mais je pense que je dois changer cela. Mm-hmm. Tu dois trouver ce qui te convient. Mm-mm. Google. International. Google. Parce que tu es toujours là, prêt à aider lorsqu'on a besoin de toi. Non, tu le mérites. Tu es Google. Hey, voyons. Comment t'as? Odeu. Hey! Gagalia. Mon cher. Gagalia. Mon ami. Il n'y a pas l'homme. L'homme qu'il faut dans le besoin. Ouais, fais n'aimer. Je dois te dire quelque chose. Regarde, les gens qui vont essayer de te causer du tort, ils me trouveront sur leur chemin. Papa. Oh, mon fils. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Ce visage même familier. Ah, c'est vrai ça? Tu te rappelles de ce visage? Oui, je me souviens. Il fait partie des garçons. Père intelligent. Oui, mais je suis sûr que tu étais l'un des jeunes hommes qui distribuait des dollars. Exact, le jour où papa. Ma femme a été enterrée. C'est en fait lui qui m'a enseigné tout ça. Je te remercie beaucoup. Monsieur. Vous les gars, vous avez bien fait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. De rien. De rien. Ah, mon fils. Assieds-toi. Eze, je dois m'en aller. Aïe. Ah. Ezegeo Konega. Je pars aller régler les problèmes dont je t'avais parlé. Ça va. Mais papa, il faut que je l'accompagne un peu. J'espère que ce n'est pas moi qui te renvoie d'ici. Oh non, c'est pas ça. Avant même que vous ne veniez, j'étais déjà sur le point de partir. Ce n'est pas à cause de vous, ne vous inquiétez Merci. Pas. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, prenez ceci. C'est pour vous. Tu me surprends toujours, de façon agréable. Nous vivons pour vous. Tu sais, à quoi mien? On y est, Wetaka, Tukunaku. C'est ça. Hein? Donnez et il vous sera donné. C'est ça, Eze. À quoi mien? À quoi mien? Oh non. Dieu te donnera. C'est pour mon ami que je le fais. Sim d'ingene. Ah ouais, je dois partir. Wow. C'est très bien. Au revoir, papa. D'accord. Papa, j'arrive, je vais l'accompagner. D'accord. L'argent. Je suis très heureux. À quoi mien? Ezi Boninia. Odogu de Jagidi, Jamananan, Odogu. Ça, c'est vrai. Écoute, avant que je n'oublie, juste au cas où ces garçons, Fokenenzu, vont t'appeler Google, tu leur diras tout simplement que c'est ce que je suis. Google, en effet. Mais comment? International, n'est-ce pas? Onogu! Ezi Boninia! Hein? Yo. C'est pas vrai. Non, je ne compte pas faire ça. Non, c'est pas vrai. Allez voir. À quoi, mien? Google International, l'homme dont on parle. Bonne route. Toi, vraiment, tu es un vrai élément.
Est-ce que ce n'est pas Maka? Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire mes yeux. Qu'est-ce qu'elle est si belle? Chérie, hein? Quand est-ce qu'à quoi m'y avons envoyé l'argent? Tu ne connais pas la signification de à quoi m'y a. La richesse a germé. Ce monsieur est vachement riche, tu vois. Il est vraiment riche. Voilà pourquoi j'ai jeté de l'argent lors des obsèques des mamans. Il s'est maingéné. Mais je suis un homme d'affaires international, tu vois. Et je dépense avec des devises étrangères, tu vois? Et tous sont tes amis, c'est ça? Oui, la majorité d'entre eux sont mes amis. Mais il y a certains d'entre eux que j'ai aidés en Afrique du Sud. Ok. Oui, donc c'est ça. Comment vas-tu? Je sais. Oui. S'il vous plaît, entrez. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Alors, qui d'entre vous trois doit voir le boss aujourd'hui? Nous trois tels que nous sommes là. Oui, nous trois ici. Mon frère, s'il te plaît, juste va dire à Ezebo que le garçon qui ont creusé la tombe de sa mère sont ouais. venus pour le voir. Oui. S'il te plaît. Oui, nous sommes là pour le voir. On veut le voir. Ok. Venez vous mettre. Très bien. Entrez, s'il vous plaît. Je vous salue, boss. Obele, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux garçons qui t'attendent en bas. Ils disent qu'ils ont creusé la tombe de maman. Et ils ne peuvent pas m'attendre afin que je finisse d'échanger avec ma femme. Regarde-toi, va les servir à boire, ok? J'y arrive. D'accord, monsieur. Et je vais bientôt vous rejoindre. D'accord, monsieur. Vous remercier pour le merveilleux travail que vous avez accompli le jour où j'ai enterré ma mère. Aduke Djaka. Que fais-tu dans la vie? Monsieur, moi je suis conducteur de moto. Mais la semaine passée, le propriétaire de cette moto me l'avait ravi. Il m'avait dit que l'argent que je lui rapportais était vraiment insuffisant. Depuis lors, je ne fais rien, monsieur. Je vois. D'accord. Et toi? Monsieur, je coupe les arbres pour les gens. Et on me paye pour ça. 50 naira par arbre. C'est tout ce que je fais, monsieur. Ok. Et toi? Monsieur, j'ai fait toutes sortes de travail qui s'est présente devant moi, comme à l'enterrement de votre mère. Ok. Aucune condition n'est permanente sur cette terre.
dans cette vie. Il y a un temps pour la réalisation de toutes choses. Donne-moi ton nom complet. Anayo Ichofo, monsieur. Anayo Ichofo. Chibozonjoku, monsieur. Chibozo. Michena Onweze. Onweze. Oui, monsieur. Chacun de ces chèques contient 1 000 000 de naira. Donc je veux que vous l'utilisiez pour démarrer une affaire de votre choix. Hey, Chief. Hey. Non. Hey, levez-vous. Levez-vous. Chief. Chief, merci. Non, ça va. Levez-vous. Levez-vous, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hein? Oh, hey, mille fois. 100 000 fois. Comment mon Dieu, merci. Oh, mon Dieu. Levez-vous, oh, levez-vous. Remercions plutôt Dieu. À Dieu soit la gloire. Moi, que la gloire soit à lui. Quoi? Je vais vous laisser. Seigneur, merci beaucoup. Prenez soin de vous, ok? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci. Voici 30 000 naira. Je veux que vous l'utilisiez comme transport pour aller à la banque afin de retirer cet argent. Hey! Mon Dieu. Merci. J'ai signé derrière ces chèques. Afin qu'on puisse vous payer sa carte d'identité. Hmm? Merci, monsieur. Merci, prenez monsieur. Soin de vous. Merci, Dieu merci beaucoup, monsieur. Merci. Hey! 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 Mon Dieu. C'est un rêve. Non, dites-moi qu'on est en train de rêver. Oh, mon Dieu. Maman. Maman, je suis fait. Maman, Dieu m'a béni, maman. Maman, ma vie a changé, maman. Dieu m'a béni, maman. Maman, maman, ma vie a changé. Je suis béni. Anayo, tu vas bien? Maman, je vais bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, toutes choses vont bien avec moi. Maman, je suis seulement heureux parce que mon rêve de devenir un propriétaire d'un véhicule vient de se réaliser. Ça veut dire quoi, ça? Ma vie a changé. Je ne comprends rien. Attends, laisse-moi te montrer. Maman, attends. Maman, regarde. Un chèque de 1 million de dollars m'est donné par Wanema Aneya. Maman, ce n'est pas tout, attends. Il m'a donné ce chèque et après, il m'a aussi donné 10 000 naira pour le transport. Je devrais utiliser cet argent pour aller à la banque demain très tôt le matin. Maman, ça c'est au-delà de mes attentes. Oh. Dieu m'a vraiment béni. Hey, maman, je suis riche. Mais Anayo, dis-moi, qui est cette personne-là? Qui t'a donné tout ce que tu me montres? Ezinde Ibo. C'est lui. Ezibo, c'est lui. Tu veux dire celui du sud? C'est lui. Anayo. Anayo. Osa Pensaki Zengiyo. Hey. Anayo, tu es vraiment très stupide. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Hey. Hein? Ne sais-tu pas qu'il a tué sa mère pour l'argent du sang? Arrête. Maman, arrête ça. Ah, arrête ça. Maman, ton comportement me déçoit beaucoup. Pourquoi tu peux dire une chose comme ça? Hein? Donc, tu es parmi ces gens qui disent, qui répandent les rumeurs que Chief Ezibo est un ritualiste. Maman, arrête de penser comme ça, non? Hein? Anayo, tu es vraiment stupide. Il serait mieux pour toi de lui remettre ce chèque plus vite. Sinon, tu ne mangeras plus dans cette maison. Nabanzo Yokinga bien. Maman, je ne vais rien retourner. Tu me demandes de retourner 1 000 000 de naira. 1 000 000 de naira n'est pas peu d'argent, non? Maman, regarde, si c'est à cause de ta nourriture, tu peux la garder. Prépare ta nourriture et mange-la seule. Regarde, avec ce chèque d'1 million, je peux remplir cette maison de nourriture. Hey! Alors, oublie ça. Anayo, reviens ici. Anayo! Hey! Nasa Mwenga yo!
Attendez, oh. Ça veut dire que cet homme veut m'utiliser dans son occultisme. Et aussi maté. Moi. Et aussi maté. Anayo. Viens remettre le chèque plus vite. Anayo. Va remettre cet argent. Oh. Anayo. 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 Ça y est, nous on y va. Où vas-tu avec papa? Bien. Il y a la réunion des notables aujourd'hui et elle va me déposer au palais. Ok, tu es toute belle. Merci pour le compliment. Papa, allons-y. À tantôt, ma chérie. Allez, bye bye. Les gars, honnêtement, je vais gagner de l'argent. C'est ça, mon ami. Je suis fatigué de faire du tout petit travail dans ce village. Je vais gagner de l'argent. Même moi aussi. Je vais me faire de l'argent, comme Ezibo. Comme ça, les musiciens vont commencer à me chanter dans leurs chansons par-ci, par-là et tout le monde. Tout le monde saura qui je suis dans ce village. Regarde-moi celui-ci. Tu veux être comme Ezibo? Oh, mais bien sûr, comme lui. Et les gens vont me chanter dans leurs chansons. Tu veux tuer ta mère et faire l'argent du sang? Non, parle. Tu es devenu Miwe. Je vais être comme Ezibo. Sans effet. Oh, sans effet, hein. Je ne peux jamais sacrifier ma mère pour l'argent. Mais c'est exactement ce qu'Ezibo a fait. Elle a tué sa mère et a utilisé ses seins pour en faire Jésus, des vidéos. Jésus, tu vois? Moi, hein. Fais. Va devenir comme lui. Menteur. C'est vrai. Menteur. Qui t'a dit que Ezibo a tué oui, sa maman? Oui. Et a utilisé ses seins pour faire de l'argent. Qui t'a dit ça? Tu racontes juste des bobards. Êtes-vous dans ce village? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les rumeurs ont circulé partout dans le village. Vous ne savez pas. Réfléchissons un peu. Si Ezibo n'avait pas tué sa mère, comme les gens racontent, pourquoi n'a-t-il pas permis un culte lors de l'enterrement? Vous ne pouvez pas réfléchir? À quoi sert vos têtes alors? Ezibo n'a pas tué sa mère, papa. Bazoba. Oh boss, voici le vin de palme. Est-ce de bonne qualité? Oui, celui-ci est super. Ça coûte combien? Ça coûte 5 000. Es-tu sérieux? Hey! Franchement, c'est pas normal. Non, fais un effort pour devenir comme lui. Fais un effort. Maintenant, tu me demandes. Vas-y.
Ezimo n'a pas tué sa mère pour l'argent, espèce d'idiot. Il peut avoir raison, il peut avoir raison. Mec, mangeons. Jésus. Bois et mange ta nourriture. De toute façon, chacun est méchant de sa manière. Aïe, je suis confus, je suis surpris. Je suis confus. Papa. Ezigbo d'Afrique du Sud, Ezigbo d'Afrique du Sud, Ezigbo d'Afrique du Sud, hey, Ezigbo, tu as fait de moi un homme riche, Ezigbo, que Dieu te bénisse, merci beaucoup, hey, Ezigbo d'Afrique du Sud, Ezigbo d'Afrique du Sud, Ezigbo. Ezigbo d'Afrique du Sud, Ezigbo d'Afrique du Sud. Ezigbo, c'est toi le boss. Ezigbo le boss, Ezigbo d'Afrique du Sud, Ezigbo d'Afrique du Sud. 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 Maman, Ezigbo m'a béni. Maman, je suis riche. Ezigbo d'Afrique du Sud. Maman, j'ai lavé ma voiture. Je t'avais dit. Donc, Anayo, tu as utilisé cet argent du sang. Hein, Anayo? Maman, laisse-moi même te poser une question. Hein? Pose-la juste moi. Une. Loba. Maman, je veux savoir si tu es ennemi du progrès. Tikata nyoka soa siko. Osa pensa zoba yo. Non. Moi, maman, ta mère ennemi du progrès? Non, maman, essaie d'y penser, non? Maman, pourquoi tu crois à toutes ces choses? Hein? Maman, s'il était ritualiste, alors pourquoi est-ce qu'il aide les gens? Maman, est-ce possible? Maman, je n'ai jamais entendu ou vu là où un ritualiste est en train d'aider les gens. Maman, pourquoi tu te comportes comme ça? Maman, j'étais même en train de penser que parce que je viens d'arriver avec ce véhicule, tu allais me préparer une belle soupe et commencer à te réjouir avec moi. Hein? Moi préparer pour toi? Anayo, okolapa yomoko. Maman, laisse-moi. Oh mon de la vie ni yosanango. Au lieu de me faire une belle soupe, tu es en train de raconter n'importe quoi. Hein? Tu peux dire tout ce que tu veux, je m'en fiche. Hey! Attendez, oh. Ça veut dire que ces garçons veulent aussi me tuer? Mbano, akosi mbanga tamkete. Sans effet. Hey! Amaka. Bonjour. C'est bien toi? Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Tu parais surprise. Tu ne te rappelles plus de moi? Au fait, si. Ta face me semble familière. Mais vraiment, j'arrive pas à te situer. Ok, mon nom est Kesley. J'habite en Malaisie. Quelques jours passés, j'étais venu te demander. Oh. Oui, Kesley. Yeah. Ça fait un sacré ton. Wow.
tu es si belle. Ah, merci, au fait, je suis en train d'aller quelque part. Ok, je te donne ma carte alors, comme ça tu pourras m'appeler quand tu es libre. Oh, ne te dérange pas. Il n'y a peut-être pas de chance que je t'appelle, et donc je te donne ma carte et toi tu m'appelles, on fait comme ça. Ok. Voici ma carte. Appelle-moi alors, ok? Bon, eh bien... Et donc cette voiture t'appartient? Oui. C'est ta voiture? Oui, c'est ma voiture. J'ai emmené le vin de palme que tu m'avais envoyé chercher. Va mettre ça dans le frigidaire. Oh, Belé. Boss. Tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Boss. Les gens sont en train de parler en mal de toi. Et ce, malgré tout ce que tu fais pour eux. Alors, que disent-ils? Ils disent que tu as tué ta mère et que tu as utilisé ses parties intimes pour des rituels. Quoi? Où est-ce que tu as appris ça? Là où j'ai acheté le vin. Vas-y, va mettre ça dans le frigidaire. Comment ont-ils eu cette impression? Que j'ai tué ma mère pour faire de l'argent? Alors, peux-tu me dire pourquoi tu m'as emmené ici? Amaka, je dois commencer par te dire combien je suis désolé. Je sais que je t'avais traité de manière indécente et je le regrette sincèrement. Après t'avoir abandonné, je me suis marié à une fille provenant d'une famille riche, croyant que tout ce qui brille est de l'or. Mais une année après notre mariage, elle avait commencé à se méconduire. Elle commençait à afficher un comportement qui a brisé notre mariage et nous a amenés au divorce. Malheureusement, elle avait amené mon unique enfant avec elle. Écoute-moi s'il te plaît. Trouve un endroit dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît. Kesley, tu ne peux pas être désolée. Tu savais bien ce que tu faisais. Tu m'as traité comme si j'étais la chose la plus minable de ce monde. Mon homme dit bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci énormément. Bonjour, madame. Bien. Comment est venu le business? Oui, ça bonjour, va, ma chère. Grâce à Dieu. Bien. À combien revient te baigner? C'est seulement 50 naira, madame. Ok. S'il te plaît, peux-tu mettre pour moi pour 500 naira? Ok. Thank you.
Attention! On a plus t'inquiète, tu peux garder la différence. Merci, madame. Attendez la différence. Il n'y a pas de problème. Oh. Merci, merci beaucoup. Merci, madame. Bye. Au revoir. Comment vas-tu? Je vais bien, bonjour madame. Bonjour. Est-ce que ton père est à la maison? Non, il n'est pas là, il est sorti avec mon grand frère. Et alors ta maman? Elle est derrière la maison, madame. S'il te plaît, appelle-la pour moi. Okay. Très bien. Maman! Oh. Maman? Hein? Maman, nous avons de la visite. De la visite? Oui, maman. Et qui est-ce? Maman, c'est cette fameuse femme-là qui conduit une voiture pour venir nous acheter des beignets. Ah ah. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et le dimanche, on ne vend pas les beignets. Et elle veut faire quoi? Maman, je ne sais pas, oh. Elle m'a dit de t'appeler. J'espère que ça part. Ah, maman, je ne sais pas, oh. Elle m'a dit de t'appeler. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Merci. On m'a dit que tu me cherches. Oui, oui, mais c'est ton mari que je cherche. Ok. Bon, comme il n'est pas présent, on peut parler entre nous les femmes. Ok, on va à la maison alors. Non, je me sens bien ici. Ok, y a pas de problème, j'espère que ça va. C'est à propos de ta fille. Ma fille? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, tout va très bien. Elle est une bonne et travailleuse jeune fille. Oui. Alors, c'est pourquoi je suis venue ici. Vous demandez si vous pouvez m'aider en me la donnant pour que je l'arrange pour mon fils qui est au Malaisie. Je ne sais pas où commencer. Est-ce qu'elle a déjà vu ton fils? Mm-mm. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Non, ne t'inquiète pas. Mais j'ai quelques photos de mon fils ici. Il est là. Mon fils Casey. Oui. Ah, donc c'est lui-ci. Oui, c'est mon fils. Oh, tu n'es que. Dieu merci. C'est Dieu. Ma soeur, je c'est Dieu. Dieu pour toi, hein? C'est seulement merci, lui. Hein? Ok, je vais parler à mon mari. Hein? Je lui montrerai des photos et je vais parler aussi à ma fille. Hein? Et je te dirai quoi? Il n'y a pas de problème. Je vais te fixer. D'accord. C'est okay. Bien. Merci énormément. Okay. Que Dieu te bénisse. Je suis ravie de ta présence. D'accord. Oh, merci beaucoup. Je dois partir maintenant. Merci. Bye bye. Bye. Au revoir. Bye bye. Merci. Mm-hmm. On se verra. Oh.
Non, Annie, quand vous étiez sortie, quelqu'un était venu vous chercher. Aujourd'hui? Cette femme dont je t'avais parlé, qui vient souvent jeter le bénin chez nous. Ok. Que voulait-elle? Elle a dit qu'elle était venue demander la main de ta fille en mariage. D'ailleurs, elle a apporté même les photos. Regarde. Aujourd'hui? Lélo. Je ne pense pas qu'ici soit le Nigeria ou... Azalakana Poto, en Malaisie. Hein? Malaisie? C'est son fils. Hein? Elle veut qu'il épouse Amaka. Amaka, ta fille. Il ressemble vraiment à sa mère. En as-tu discuté avec elle? Non, je devais d'abord te dire, c'est toi le chef de la famille. Très bien, très bien. Bien. Qu'allons-nous dire? Je vois qu'il a la noblesse autour de lui. Ça, c'est bien. Appelle-la. Amaka! Amaka! Maman, tu m'as appelé? Ton père veut parler avec toi. Amaka. Papa? Prends ces photos et regarde-les bien. Écoute, le jeune homme que tu vois sur ces photos est de cette ville. Oui. Il s'appelle Kingsley. Il ne vit pas ici. Où est-ce que tu as dit qu'il habite? À l'étranger, en où Malaisie. Exactement? Ok, Malaisie. La Malaisie, ça se trouve. La Malaisie n'est pas loin d'ici, c'est à côté du Cameroun. Donc, ce que ça vous n'a pas qu'il y a même colo. Allez, Gwari, qui te l'a dit? C'est vrai, non? Nous le voyons à la carte. D'accord. Il est venu ce matin. Il vit en Malaisie. Et sa mère dit que son fils voulait t'épouser. S'il vous plaît, papa, tu parles de cet homme ici sur la photo. Tu ne le connais pas, moi non plus je ne le connais pas. C'est le fils de cette femme-là qui vient acheter les bénis chez nous. Cette jolie femme qui était venue le matin pour chercher votre père. Notre cliente, c'est là qui vient avec la voiture. Cette femme-là, c'est son fils. Tu peux voir qu'il se ressemble. Donc, c'est cette femme qui demande ta main en mariage pour son fils. Mais maman, je ne le connais même pas. Sûrement, tu n'auras pas peut-être quelque chose à dire maintenant. Exactement. Prends la photo, va dans la chambre et essaie de réfléchir par rapport à ça. Va finir ce que tu fais et réfléchis bien sur ça et on parlera après. Hein? Ok. Oui, puis mobile nanga, ça facilite. C'est vrai. Ça facilite. Tu vois cette femme-là, elle vient tout le matin alors. Et quand elle achète les beignets de 1000 naira, elle dit toujours, madame, ne vous dérangez pas, Amaka va me servir. J'ai béni Dieu pour tout. Dieu merci pour toutes choses. Maman, je vais acheter les beignets. Combien? Je prends seulement un beignet. Le beignet de 50 naira. Seulement de 50 naira. De 50 naira seulement. Je n'ai pas assez d'argent. Mais maman, donne-moi les sachets, non? Bon après-midi, maman. Bon après-midi. J'ai besoin de beignets. Les beignets? Je veux ceux qui sont frais. Oui, c'est frais. N'attends qu'à Mikate là. Comment m'attends? Maman, m'en fout à casse. Merci, hein.
bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je veux bien. Oh, t'es bien et bien. Merci, comment évolue le business? Grâce à Dieu, ça va. À propos de notre conversation de la fois passée, comment ça évolue? Ça marchait. J'avais discuté avec mon mari. Il a accepté. Et alors Amaka? Amaka aussi a accepté. Avec mon homme qui est Amaka. Je suis très contente maintenant. mon fils Kessi reviendra de Malaisie le mois prochain. Oui, lorsqu'il arrivera, il viendra la voir. C'est bien. Et alors Amaka, où est-elle? Oui, je l'ai envoyée à la maison prendre quelque chose pour moi. Okay. Elle revient bientôt. Elle va donc alors te trouver. Oui, ici. Elle revient. D'accord. Moi, je vais déjà partir. J'ai demandé à mon chauffeur de m'accompagner au marché. Ok, c'est bon. Je vous verrai plus Merci, tard. Hein? Merci, beaucoup. Nana. Bye. Merci, oh. Bye. Yo. Quoi? L'angolo fut un ao. Quelqu'un est tombé amoureux ici. Mais maman, il ne va plus revenir de Malaisie. Il revient. Ça leur a dit qu'il sera là dès le mois prochain. Il vient. Très bien, maman, parce que j'ai hâte de le voir. Ma fille, ne te dérange pas, il revient. D'accord, hein? Maman. Il en est revenu. Quand il y a aussi un peu la pizza, hein? Je suis rapide avec la nourriture, hein. Je ne traîne pas. Je reviens. D'accord, maman. Monsieur Okonkwo. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir acceptés dans votre maison. Merci beaucoup. Laissez-moi commencer par me présenter moi-même. Je suis Ajudako Kembo, l'oncle de Kingsley. Celle-ci, c'est sa mère, la femme de mon défunt frère. Elle m'a raconté combien votre fille et humble et gentille. Alors, elle pense qu'elle sera une bonne femme pour son fils Kingsley. Oui. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et s'ils sont tous deux d'accord de se marier, bien, nous allons nous préparer pour venir déposer la dot. N'est-ce pas ça? Oh oui, oui, oui. Merci, Tiondirak. Merci beaucoup. Tu as bien parlé. Bien. Je vais appeler ma fille. Elle viendra et parlera d'elle-même. Bien, bien, bien. Tu vois? Oui. Amaka. Maman. Yakao, mon angai. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Bonjour. Moi, c'est mon Okitoko. Amaka, regarde le jeune homme qui est assis là-bas. Hein? Il s'appelle Kingsley. Le Kingsley de qui tu sais déjà. Celui dont tu as toujours vu la photo. Oui. Hein? Nous aimerions que tu le regardes bien, de la tête aux pieds,
et des pieds à la tête. Et puis... Papa, il me plaît. Hey. Ah. Voilà. Il te plaît. Oui. Ah bon? Cela veut dire qu'ils sont permis de retourner se préparer pour le paiement de la dot. Ok. Va finir ce que tu fais dans la cuisine. On parlera après. Hein? Ichi. Que vais-je dire? La fille a déjà accepté. Parle-nous. Abala dans votre camp. Oui, merci beaucoup, Mazé Okonkwa. Kingsley, qu'as-tu à dire? S'il vous plaît, pardon, attendez-moi. Papa. Maman, je suis profondément déçu. Donc tu m'as amené ici pour être humilié. Comment? Tu me demandes comment? Tu me demandes comment? Et donc imagine-toi, tu m'as amené vers cette espèce de sale fille au visage non idéal pour que je l'épouse. Calme-toi. Oh, ne me dis pas ça s'il te plaît. Ne me dis pas ça. Je vais t'expliquer. Ne m'explique rien, maman. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Ne me dis pas ça. Je veux t'expliquer. M'expliquer quoi? Pourquoi ils sont en train de crier? Je ne sais pas. Ne suis-je pas ici avec vous? Peux-tu imaginer que j'ai des amis, des big boys venant de Malaisie, avec beaucoup d'argent, et venir m'épouser avec cette sale fille et la prendre pour ma femme? Maman, je suis déçu. Okay, tu m'as déçu. C'est bon, j'ai entendu. J'ai dit que c'est bon. Oui, c'est bien. Moi, je m'en vais alors. Je ne reste pas ici. Je m'en vais. N'importe quoi. Je dois m'en aller. Je ne peux pas rester ici. Hey. J'espère que tout va bien. S'il vous plaît. Pardon, Nayo Konko. Ne vous dérangez pas. Nous devons aller à la maison, parler un peu avec mon fils et puis nous allons revenir vers vous. Ije, on peut partir. Ok. Mazé Okonko. Chez nous, on dit ceci. Lorsque le rythme du tambour change, les pas de danse changeront aussi. Laissez-moi aller là-bas et découvrir les problèmes qui se cachent derrière la réaction soudaine de mon fils. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Pardon, nous allons revenir, hein? Pas de problème. Allons-y. Ah, Kesley! Attends, attends! Tu veux me laisser ici? Oh oh! Attends! Oh! Oh! C'est quel comportement ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Veux-tu me laisser ici et partir? Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quoi qu'il se passe, détends-toi. Oh, bien, peu importe. Détends-toi. Hein? Maman m'a tout dit. Ils reviendront comme ils l'ont dit. Oh, arrête de pleurer. Non, mon frère. Ils ne reviendront pas. Ce garçon ne m'aime pas.
Ok, ok, arrête de pleurer, hein. Même s'ils ne reviennent pas, cela signifie qu'il n'est pas le bon homme pour toi. Hein? Sois forte. Dieu dirigera le bon homme vers toi. Ça manque bien, hein, CM. Ma soeur chérie, la bénédiction de Dieu te rendra riche et tu ne croiras pas. Quand cet homme arrive, hein, il va t'aimer et te chérir sans se plaindre du genre de personne que tu es. Hein? One, ça va, d'accord. Ça va. Arrête de pleurer. Tu m'avais sous-estimé parce que tu étais riche. Tu pensais être l'incarnation parfaite de tous les vœux d'un être humain. Amaka, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que tu as des doutes, mais crois-moi, j'ai complètement changé. Ne peux-tu pas le voir? Je te supplie, s'il te plaît, laisse-moi te traiter comme une reine que tu es. Laisse-moi te donner cet amour inconditionnel que tu mérites. Je t'en prie. C'était la seule opportunité que tu avais de me prouver cet amour inconditionnel, comme tu l'appelles. Aujourd'hui, mon cœur appartient à un autre. Je suis fiancée. Si ça ne te dérange pas, je te prie de m'excuser. Amaka, attends! Amaka? Et quand tu reçois les marchandises, assure-toi de les distribuer à nos clients réguliers d'abord, avant toute autre personne. Bien, reçu, boss. Est-ce que tu m'as compris? Oui, boss. Bien. Ebo, va t'amener à l'aéroport. Quand tu arrives à Johannesburg, n'oublie pas de m'appeler. Bien, boss. Bien. Bon voyage. Ouais, merci, boss. Le grand Kuchaga. Le grand Kuchaga. Dallos. Votre message sera bel et bien transmis. Ezibo South Africa. Ojerobo do ibo burike wenata. Ndinegwe iwe kwete. Père, que pouvons-nous vous offrir? Oh, non, ne te dérange pas. Ça va aller, je suis rempli. Ok, soyez le bienvenu. Merci, en effet, je suis venu ici pour une chose très importante. Ok, qu'est-ce que cela peut être? Je me suis demandé pourquoi toi, Namdi, de toutes les personnes, tu as refusé d'honorer la tombe de ta mère pendant l'enterrement. Et depuis ces jours, je suis vraiment inquiet. Il y a aussi ces rumeurs qui circulent dans le village que tu as tué ta mère soit utilisé ses parties intimes pour les rituels. Quoi? Père? Oui. C'est ça la rumeur qui coule? Oui, c'est ça. Qu'il a tué sa mère? Hey! Papa? Hey! Laisse-moi gérer ceci. Père, s'il vous plaît, puis-je vous poser une question? Oui, allez-y. Souvenez-vous du jour où vous aviez dédié la maison pour moi? Comment évoluent les affaires en Afrique du Sud? Les affaires vont bien, mais très stressantes. Oui, je vois. Le Seigneur est ta force. Amen. Le Seigneur est ta force. Amen. Père, je suis venu pour vous donner une carte d'invitation. D'accord. Ça c'est bien. J'aime ce que tu as écrit ici. Tu as fait de Jésus-Christ l'invité d'honneur de l'occasion. Ce qui veut dire que tu es un bon chrétien. Bien sûr, je le suis. Je suis content pour toi. Merci, Père. Namdi. Père. Je vois des clés de contact. C'est toi qui les as mises. J'ai dit, il faut que je vous achète une petite Jeep afin de vous aider à se déplacer facilement pour vos missions. Merci, Vierge Marie.
Merci. Merci beaucoup. Ah! Tu as acheté une voiture pour un homme loin de l'Éternel. Oui, Père. Jésus. Namdi, laisse-moi te dire. La bénédiction ne va jamais se séparer de toi. Amen. Tu viens d'ouvrir le mystère de la richesse. Amen. Et tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire. Est-ce que tu te souviens de ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, le premier verset? C'est un mystère. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et c'est ce que tu as fait pour toutes les choses que tu es en train de faire dans cette communauté. Je veux te dire que Dieu lui-même va te révéler le mystère de la richesse. Tu ne connaîtras jamais de sécheresse. Amen. Qu'il en soit de même pour tous ceux qui participent à cette occasion. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Je dédie cette maison. De cette maison, beaucoup d'autres vont venir. Amen. Dans cette maison, la richesse te sera encore révélée. Amen. Je le dédie au nom du Père. Amen. Et du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Vous aussi, que vous êtes celui qui a prié et a demandé à Dieu de me surprendre avec beaucoup de bénédictions. Mm-hmm. Je sais que vous vous rappelez aussi que le moment où j'ai réalisé tout ce que j'ai fait pour cette communauté, ma mère était encore en vie et en bonne santé. C'est vrai. Alors, comment puis-je l'utiliser pour faire de l'argent quand Dieu m'a déjà béni avec de l'argent? Ça n'a pas de sens. Père, je peux te dire avec certitude que mon fils n'a pas tué ma femme. Ce sont des fausses rumeurs. Souviens-toi qu'elle avait arrêté de s'associer avec mon fils très longtemps avant sa mort. Donc, comment est-ce que le fils qu'elle a nié jetterait du sable sur sa tombe? Elle pourrait le nuire. Et tu sais cela. Nyokonko. De quel côté es-tu? S'il te plaît, pour la cause de Dieu, je ne suis du côté de personne. Je ne fais que te dire la vérité. Ah.
C'est bien. Oublions ça. Ça va? Je ne suis venu juger personne. Oui. C'est seulement Dieu qui peut juger. C'est seul Dieu qui voit le cœur de l'homme. Et il est le seul juge. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi est-il que, quoi que tu fasses dans cette vie, les gens vont toujours parler? Quand j'étais pauvre et sans emploi, les gens m'ont vu comme un raté. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui fait traîner cette femme comme ça, hein? Madame, faites vite, hein! Naira. Pour 100 naira. Moi aussi je vais acheter, maman. Combien? 50 naira. Bien. Hey, non, tu es là?
Merci. Maman, ça va? En plein vento. Laisse-moi prendre un. Aujourd'hui, tu es rentré à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai aidé à transporter les marchandises d'une ancienne cliente. Donc, j'ai dû passer beaucoup de temps. Ngoa. Comment va le marché? Si tu finis de manger les beignets, tu peux aller aider Amaka. Ok. Ah, mon soleil, c'est bon. D'accord. Kobia. Enoch. Maman, je vous ai appelé tous les deux parce qu'il y a quelque chose d'important que je vais discuter avec vous. D'accord. C'est quoi le problème? Nous sommes là, nous t'écoutons. Je suis fatigué de pousser de la brouette, je dis bien de la brouette dans ce village et recevoir toutes sortes d'insultes de tout le monde. Je suis fatigué. Je veux quitter le Nigeria. Je veux voyager pour un autre pays. Oula karakarame ya, karakarame ya boso. Tu veux voyager pour un autre pays? Oui. Quel pays? Afrique du Sud. Ah. Anyéwanlé. Anyéwan. Ce n'est pas possible, non? Tu ne connais personne là-bas. Maman, je connais mon ami Itego en Afrique du Sud. Itego était mon ami quand nous étions au cours secondaire. J'ai discuté avec lui et il m'a dit de venir. Bien, mon fils. Ton idée d'aller en Afrique du Sud n'est pas du tout mauvaise. Ok. Mais il y a des choses à considérer. Par exemple, pour aller en Afrique du Sud, tu dois avoir de l'argent. Et tu n'as appris aucun métier qui pourrait t'aider à survivre là-bas. Papa, ce que je ferai une fois arrivé là-bas ne devrait pas te déranger. Même si je pousse la brouette en Afrique du Sud, je serai un millionnaire. D'accord? Vous ne savez pas que si c'était à l'étranger que je pousse cette brouette, je serais déjà un millionnaire. Tu veux aller à l'étranger? Si je commence à pousser une brouette, c'est mieux pour moi. Tu as vraiment raison. Et tu ne dois pas finir ta vie comme ça. Mon cher, ce que tu as dit est vraiment bien. Merci. Oh, de manière. Mais tout ce que j'ai à te dire, tu es notre seul fils. Okwemo, va dans ta chambre. Dors. Kanisa, Malamo, Boutou et Mema Katoli. Tu sais que tu as tout notre soutien, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Merci. Merci, maman. T'inquiète. Pas de problème, pas de problème. Fais ce qu'elle a dit. C'est bien. On verra, ça va aller. J'espère que la nourriture vous plaît. Très délicieux. Tu sais, Dieu est merveilleux. Tu sais que ces légumes, c'est ce qu'on avait planté ici. Oh oui. Dans ce cas, je vais te racheter la nourriture. Non, donne-moi encore. Naï, qu'est-ce que tu dis à propos de ce que ton fils avait dit hier? Ma femme. Je pense que je serai en mesure
de faire quelque chose Amen. À partir de ce que nous avons. Amen. Il est vivant. Tu comprends? Nous allons trouver quelque chose et puis commencer par là. Amen. C'est ça. Vous êtes merveilleux. Nous pouvons. Oui. Que je vous rajoute la nourriture. Donne-moi encore de Amaka. Nourriture. Amaka. Yakuba, c'est la papa dans le bureau, quoi. Le terrain n'est pas mal, mais le montant est trop élevé. Ah, ah, c'est trop commun. Mon frère, regarde la portion du terrain. Deux lots de terrain. Pour 1 500 000, ce n'est pas trop, non? Regarde-le bien, mon frère, regarde-le. Hein? Masu Kongo, tu sais que je n'ai pas l'intention d'acheter un terrain maintenant. J'ai déjà le mien. Je vais te donner 800 000 naira. 800 000 naira. Hey, mon frère, 800 000 naira, c'est trop pauvre pour ce terrain. Regarde-le, hein? D'accord, voici ce que je vais faire. Je le laisserai à 1 300 000 naira. Tout ce terrain. Prends-le. Masu Kongo, j'achète ce terrain parce que on est amis. Oui. Parce que je veux t'aider. Si tu ne m'avais pas dit qu'il y a une personne qui doit voyager avec l'argent que tu vas faire ici, je ne t'aurais pas suivi ici. Je vais te donner 800 000. Ha. Si tu es d'accord avec ça, viens demain matin avec le document et deux témoins. Je vais préparer un compromis que nous allons signer avant de te donner l'argent. Donc tu n'y ajoutes rien. Un ami intime à moi, tu vois, hein, mais je ne sais pas, mon fils, laisse-moi te demander, que penses-tu qu'on peut faire maintenant, parce que ce terrain, le vendre à 800 000 naira, c'est insignifiant, hein, très insignifiant, papa, qu'allons-nous faire maintenant, je sais que 800 000 naira sont peu pour ce terrain. Oui. Ça, c'est clair. Mais nous n'avons pas le choix. Hein? Vendons le terrain afin de toucher cette somme. Hein? Nous n'avons pas le choix. Le problème n'est pas seulement de vendre le terrain. La question est celle-ci. Est-ce que 800 000 naira pourra t'amener en Afrique du Sud? Non. Non, ça me... Ce n'est rien. Ça me suffira de faire mes papiers et ça m'amènera en Afrique du Sud. Es-tu sûr? Oui, papa. Es-tu sûr? Papa, ça suffira. Si ça peut suffire, ça va, non? Bien sûr, ça va. Suffira. Merci, papa. Parce que je pensais avant que 800 000 naira ne t'aidera même pas à faire les papiers jusqu'à t'amener en Afrique du Sud. Mais si c'est comme ça, oui, papa. Il n'y a pas de problème. Ça suffira. Ça va. Ça suffira. Dieu merci. Tu vas gérer ça. Pourquoi tu pleures maintenant? Ton frère, tu vas me manquer. Oui, mais ça ne va pas durer, non? Tu seras de retour bientôt, hein? Ça va, non? Arrête de pleurer, ok? C'est bon, il reviendra. Namdi. Maman. Jésus-Christ et la Sainte Marie vont t'accompagner jusqu'en Afrique du Sud. Amen. Amen. Quand tu vas arriver là-bas, n'oublie pas la famille que tu as laissée. T'inquiète pas. Rappelle-toi toujours d'où tu viens. D'accord, maman.
ne te focalise pas trop sur l'argent. Parce que Dieu va te donner l'argent au moment opportun. Ananias, tu es un chrétien. Une fois que tu es là-bas, continue ta vie de chrétienté. Ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Merci, maman. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Afrique du Sud, Ekope Samirale. Nyonso Kosala, Eko Kendelibosso. Misala na yo nyonso, Eko Fulka. Amen. Yesu Masia Azanayo, Yesu Masia Nde Bozunayo. Amen. Amen. C'est bon, oh? Amanka, ça va aller. Namdi, mon fils. Ta mère a tout dit, oh? Oui, oh. Je sais que tu me rendras fier. Amen. Que oui. Dieu te bénisse. Merci. Nandi, s'il te plaît, prends bien soin de toi. Hmm? Si tu arrives en Afrique du Sud, sois un bon homme. Que tu es. Je t'en prie. C'est bien. Mmh. Amaka, c'est bon. Ça Amaka, va, ça va, ok. Arrête de pleurer, ça va. Mmh? Et ne te dérange pas trop. Nandi. Oh, mon fils, bye bye, bye oh. Mon bimbo malamo. Ça suffit. Amaka, arrête de pleurer, ça va aller. Ma femme, c'est quoi? Non, j'ai fait un cauchemar. Cauchemar? Non. J'ai fait un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai fait un rêve terrible dans lequel j'ai vu Nandi être tamponné par un conducteur qu'un de taxi. Qu'un film n'advienne sans effet. Jamais, ça n'arrivera pas. Amen. Ne vas-tu plus dormir? Jésus. C'est quoi ceci? Hein? Ne t'inquiète pas. Hein? Dieu le protégera partout où il est. Hein? Ça va. Ça va. Dieu, pardon, protège Nande pour moi, là où il est. Amen. Dieu, laisse que ta main le protège de l'est à l'ouest. Amen. Protège le Seigneur. Tu veux faire quoi? Mon Dieu. Tu ne vas pas dormir? Laisse-moi prier. Seigneur, le Dieu des cieux, Père, je te bénis pour cette nuit, je te bénis pour ta protection. Père, aide Nandi en Afrique du Sud et prends contrôle dans tout ce qu'il est en train de faire. Prends le contrôle de toute sa vie, ô Seigneur. Envoie tes anges de l'Est à l'Ouest pour sa protection et pour qu'il les guide dans le nom de Jésus. Je sais que tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Bonsoir madame, bienvenue. Comment puis-je vous aider? Je voudrais voir un type au 301.
Ok, je vérifie. Bonsoir, monsieur. C'est la réceptionniste. Une dame est ici pour vous voir. Non, je ne l'ai pas. Un instant, je lui demande. S'il vous plaît, quel est votre nom? Jennifer. Monsieur, son nom est Jennifer. Entendu. Il arrive. Ok, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci. Comment puis-je vous aider? Je vais prendre une chambre. Ok, laissez-moi vérifier. Alors, les chambres vacantes que nous avons, il y a une à 6000 rands, c'est une suite. Il y en a une à 4000 rands, chambre à double lit pouvant accueillir toute une famille. Okay. Et il y a plusieurs autres à 3000 rands, sans celle qui comporte un lit unique. Ok. Acceptez-vous le Naira? Le Naira, non, désolé. On ne prend que le rand ou le dollar. C'est la seule monnaie que j'ai sur moi. Désolé, dans ce cas, je ne pourrai rien pour vous. C'est comment? Il descend ou pas? Oui, normalement, c'est ce qu'il m'a dit. Ok, d'accord. Pourquoi t'as traîné? Oh, pardonne-moi, j'étais vraiment occupé. Peu importe, ça c'est un truc de junkie. Oh, ah, c'est exactement ça. Je peux avoir mon argent? M'as-tu apporté la poudre? L'argent. Allons lui prendre ça. Eh merde, où est-ce qu'il sort celui-là? Quoi? Ce ne sont pas les mecs que j'ai vus à l'hôtel? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tabassé? Hey, c'est bon. Écoutez, cet endroit est vraiment très dangereux. Je vais vous conduire dans ma voiture, ok? Allez, on y va. Debout, debout, debout. Oui. Allez, on tient bon. Debout. Allez.
Jacques, je suis pas content de ce qu'on a fait. Ce type-là est notre frère. Il parlait Igbo. Hein? Zélo, calme-toi. Je dis calme-toi. Hein? Je l'ai entendu parler Igbo. Et alors? Regarde, laisse-moi te dire, c'est ce que nous faisons ici pour survivre. Souviens-toi, pas de fraternité ici. Pas de fraternité ici. Mange assez pour prendre tes médicaments. Merci pour votre gentillesse. Je t'en prie. Alors, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Nambi Okonkwo. T'es Nigérian? Oui. Comment l'avez-vous su? Mon ex-petite amie est aussi de là, du Nigeria. À part ça, je t'ai entendu parler avec la réceptionniste sur ton problème de Naira. Oui, je ne pouvais pas payer pour la chambre parce que je n'ai que Naira sur moi. Oh, je comprends. Bon, voudrais-tu que je te dépose quelque part ou alors que tu es un nouveau venu? Vous savez... En fait, je n'ai aucun endroit où aller en dehors de rester dans la rue. Je suis arrivé dans ce pays hier. Et mon ami, Tetego, devait venir me prendre à l'aéroport. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai essayé d'appeler son numéro, mais il était injoignable. Et les bandits m'ont arraché ma valise. Le téléphone dans lequel j'ai enregistré le numéro de Tetego était dans cette valise. Donc, en ce moment, je ne sais même pas quoi faire. Vous voyez? Navré pour toi. Et je comprends. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne sais pas si tu vas aimer le genre de business que je fais. Je sais que les hommes nigérians sont très courageux et de grands bosseurs. Et en plus, j'aime bien votre nourriture. Quand t'auras fini, va prendre une douche. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez, vous m'avez appelé. Ouais, j'ai acheté ceci pour toi. Pour moi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Merci. Mais je t'en prie. Merci. Je ne sais pas comment vous... Je t'en prie. Je ne sais même pas quoi dire. Ah ouais, écoutez. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je voulais me plaindre un tout petit peu auprès de vous. Votre DJ ici, hein, des fois, je vois comme si sa tête ne fonctionne pas bien. Il doit aller prendre des sons, des vrais sons au Nigeria. Avec ça, il va commencer à jouer de la bonne musique ici en Afrique du Sud. D'ailleurs, j'envisage d'aller à Nigeria la semaine prochaine. Comme ça, je pourrai écouter cette belle musique. Il y a un garçon comme ça à Ikea, au Nigeria. Ce gars-là est chaud. Tu peux te faire danser pendant 5 heures. Mais franchement, je te dis, vous êtes en train de blaguer ici. Ça, c'est quoi? C'est la musique, ça?
Ah oui, peut-être au Nigeria, je pourrais écouter la bonne musique. Non, t'en as besoin, t'en as besoin. Ouais, je ferai un tour au Nigeria. Si t'as besoin d'argent, juste fais-le moi savoir. C'est tout. Vrai ça. Aussi longtemps que tu seras là en train de chanter pour à moi. Toi, hein. Mais comment? Toi, t'es mon pote, allez, on doit toaster. Oh, la vie est belle. T'as compris ce que je te dis? Si t'as besoin d'argent, juste fais-le moi savoir. Aussi longtemps que tu dois me rassurer, hein, je le fais. Que tu vas commencer à chanter pour à moi. Quoi bien. Puisque je te connais, hein. Je te connais trop bien. À quoi bien. Ah ouais, mais comment je dois avoir de l'assurance? Bon, c'est pas mal cette musique, hein. C'est pas mal cette musique, ça fait bouger, hein. J'ai toujours dit cette chose partout dans le monde. Un endroit comme Nigeria, tu as tout le talent là-bas, au Nigeria. Tu as tout ce que tu veux. Vraiment, tu es sûr de ça? Regardez-moi qui est là. Hey, regarde-moi ça. Ça là, c'est la beauté elle-même. Tu es trop belle même. Merci. Ah, assieds-toi. Chérie, qui est-ce? C'est un gars à moi. Au fait, c'est ton frère d'une même patrie. Il est nigérian? Mais carrément. Bon, vous voyez les gars, je suis venue vous le présenter. Il est partant pour commencer à distribuer la canne pour vous deux là. Oh, vraiment? Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Mais comment ça roule? Je vais venir. Ouais, je peux voir. C'est vraiment un gars courageux, c'est vrai. Trop bien. Et alors, comment on t'appelle? Je m'appelle Nambi. Non. S'il vous plaît, faudra l'appeler Monsieur N. Intéressant. Oui. Waouh. Monsieur N. Sois le bienvenu. Merci. Ok, laisse-moi me présenter. On m'appelle le faiseur de roi. Le boss le plus suspect. Plus tu regardes, plus tu vois. Avec tes propres yeux. Je suis partout, tu me verras partout dans tous les domaines, je suis là. Sois le bienvenu dans le club, hein. Merci. Franchement, il promet. Ouais, il promet. Le faiseur de roi. Wane, on a vu son moko. Et tout est quoi t'as dit? Hein? Non. Celui-ci est mon ami. Obanesi. Il fait aussi partie du club. Sois le bienvenu. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Tu sais quoi? Les dames, celles que vous voyez ici, à mes côtés, c'est la femme dont je vous parlais. Ok? C'est vraiment une femme. Waouh, ça fait bouger, hein? À quoi? Faut danser, lève-toi, hein? Mais ça, vous n'écoutez pas à ce son? À quoi, mais? Mais je vous dis ça, c'est chaud. Écoutez, oh, regardez, laissez-moi vous montrer. Éclatons-nous dans. Regardez, en fait, il y a une nouvelle danse au Nigeria, comme ça. Regardez, observez-moi trop bien. Faut pas trop bouger. Les autres le font vite, vite, comme ça. Et après ça. Les gars, la femme électrique, la sexy, vas-y. Ok, c'est comme ceci que tu dois décharger tes munitions. Tu presses, ça sort. Comme ça et hop. Tu sais ce que tu vas faire pour moi maintenant? Je veux que tu me le charges. Tu peux faire ça? Ok. Bien joué. Non, attends,
Il va falloir toujours que tu pousses comme ça vers le haut. Ensuite, rapidement, tu presses et... Okay. Exact. Parfait. Bon, maintenant, quand tu veux appuyer sur la détente, regarde bien comment je le tiens. Il te faudra tirer ça vers l'arrière. Je vois. Tu vois, ça descend. Je reprends. Tu tires vers l'arrière. Tu vois bien. Et ensuite, tu tires. Ou, tu as une autre alternative qui est celle-ci. Tu abaisses ça, puis tu tires. Tu peux faire ça? Bien sûr. Ok. Oui. Vers l'arrière. Mm-hmm. Tu tires. Ou... Ton alternative. Mm-hmm. Mais... Écoute, t'inquiète pas. Ok? Écoute, dans ce business, je dois t'enseigner quelque chose que tu dois comprendre. Il ne faut pas avoir peur. Tu vois, tout ce business, c'est un business de la mafia. Mais regarde-toi, tu es encore habité par la peur. Tu ne peux pas rouler dans ce business avec la trouille. Et le bordel peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est là qu'il faudra que tu appuies sur la gâchette. Ok? Tu ne peux pas avoir peur si tu veux rouler dans ce business. Ok? Tu comprends ça? Il faut que tu aies le sang-froid. Entendu? Mm-hmm. Bon, tu sais quoi? Tu t'en sors bien, ok? Allez, va te rafraîchir. On refera ça après, ok? D'accord. Wow! Vous avez réparé le miroir? Ouais. Et c'était comme avant, de telle emprise que je ne peux pas constater que j'ai tiré sur ce miroir. Wow! C'est cool! Élégant dans ce costume. Merci. Tu vois, dans cette mallette, j'ai du crack qui vaut 200 000 $ américains. Donc t'as pas intérêt à le foirer. Pigé? Et quiconque essaye de te doubler, j'espère que t'as un flingue sur toi. Oui, je l'ai. Bien. Jacob est là au bas des escaliers, il t'attend, c'est lui qui va te conduire à ta destination. Et surtout, ne va pas tout foirer. Ok? Ok. Ok. Bonne chance. Je peux aussi tirer un coup avec toi, s'il te plaît, hein? Viens par ici. Boss, Monsieur N a apporté le colis. Bon, pas de problème, dis-lui de venir. Bien reçu. Monsieur N, bienvenue. Merci. Tout est là, j'espère. Oui.
bien. Merci. Tu peux partir. Où est l'argent? De quoi parle-t-il? J'en sais rien, moi. Shaggy, montre-lui la porte. Hey! Très impressionnant. Bien joué. Tu es intelligent, tu sais. Dépose cette arme et reste à l'écart. Calme-toi, s'il te plaît. Fais ce qu'il te demande. Ça ira. Dépose cette arme et reste à l'écart. Dépose cette arme, ne t'inquiète pas. Ok, Shaggy. Va là-bas et apporte-lui l'argent. Dépose ton arme. Ne t'inquiète pas, tu auras ton argent, ok? Ok? Mais il t'apporte ton argent. Apporte-lui l'argent. T'es vraiment courageux. Du calme, ton argent est là. Ouvre ça, ouvre ça. Ouvre la mallette et laisse-le voir. Voilà, tout y est. Il a appris vite, n'est-ce pas? Ouais. Je pense qu'il est intelligent. Voilà, c'est un homme. Shaggy. Boss. Tu iras déposer ça à Westfound. Pour l'instant, prends ça. Et garde, en ce qui le concerne, je m'en occupe. Ouais, salut Abigail. Oui, c'est moi, Jennifer. Est-ce que je peux parler à Lino Brown parce que j'essaie de le contacter directement, mais son numéro n'est pas joignable. Arrêtez? Depuis quand? Ok, merci. Merci pour l'information.
Les plans ont changé. Le mec chez qui tu devrais livrer la drogue s'est fait couvrir la nuit dernière. Mauvaise nouvelle. Alors, quel est le prochain plan? Un instant. C'est ça ta nouvelle destination. Quand tu arrives à cette destination-là, demande de voir Stéphanie. Ok? C'est à elle que tu dois livrer la drogue. Ok. Et elle, elle va te remettre 22 000 dollars. Ok. Jacob va t'y conduire. Ok? D'accord. J'espère que tu as ton flingue sur toi. Je l'ai. Ok. Merci. Ok. Ah, Jenny. C'est comment? Oui, ok, mais je suis au bureau maintenant. Je crois que tout est bon. Est-ce que tu as envoyé le gars? Je n'ai vu personne jusque-là. Ok. Salut les gars. Salut les gars. C'est qui cet enfoiré? Découvrons qui il est alors. S'il vous plaît, je veux voir Stéphanie. Tu es un nom? Oui, je suis Monsieur L. S'il vous plaît, pouvez-vous me l'appeler? En fait, elle m'attendait. Tu sais quoi, enfoiré? Nous allons devoir fouiller ton putain de sac. Mais vous savez que ça ne sera pas possible. Vous ne pouvez pas fouiller mon sac. Mais vous savez, j'ai des choses confidentielles là-dedans. Mon pote, tu iras nulle part. Recule! Et attendez, j'apprécierai si vous ne m'épousez plus à nouveau. Et nous apprécierons que tu vas te faire foutre, toi, espèce d'enfoiré! Conlis, contrôle ce sac. Et restez loin de mon sac. Malheureusement, ça ne dépend pas de toi, monsieur. Hé, hey, mon gars, donne-le-moi. Allez, donne-le. Viens par ici. Oui, Stéphanie, c'est ça? Oui. Vos gars sont vraiment embarrassants. Va te faire foutre. S'il vous plaît, taisez-vous. Taisez-vous. Madame, ce fou doit payer pour ce qu'il a fait. Oui. Je vous ai bien demandé de vous taire. Taisez-vous. Tu saignes dans mon bureau. Tu m'as tiré une balle. Toi. Ici. Les gars, cet enfoiré m'a tiré une balle dans la jambe. Les gars, il m'a tiré une balle. S'il te plaît, lève-toi. C'est bon. Les gars, cet enfoiré. Désolé. C'est malade. Prenez place. Merci. Ça fait 20 000 dollars. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous serez les bienvenus prochainement. Je ne manquerai pas.
Ça, c'est pour toi. Tu as assuré. Merci. Je t'en prie. Allô? Hey! Namdi! Un homme? Bonio! Ça va? Oui, et toi? J'espère que tu as bien dormi. Tout le monde va bien. Oui, oui. Nous sommes à la maison. Je suis là, moi, ta mère, ton père et Amaka. Et toi? Je passe le téléphone à ton père. Non, c'est ton fils. Namdi Mutabengi. Hey! Omeka Nia. Omeka Nia. Bonjour. Et comment va l'Afrique du Sud ce matin? Oui, oui, je peux le faire. À travers Western Union. Je peux le faire. Ok. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci. Et bye. Il a raccroché. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit deux choses. Un, il a dit de ne pas permettre à ta mère de se stresser beaucoup. Ça, c'est le numéro un. Numéro deux, il nous enverra de l'argent demain à travers... Il envoie l'argent. Attends, c'est mon papa. Hey. Oh, c'est mon malam. Western Union, ce comment tu vas t'y prendre? Eh bien, je dois aller moi-même. Oh non, même pas, ça va aller. On ne saura pas utiliser ça. Oh, oh. Au moins, il faut que ça campe en bonne vie. Il faut que ça campe en bonne vie. Nae, tu vois. Louer Dieu, c'est tout. Yo, ma soukou, nae, tchè. Au moins, il y a une. Asa la kande boye. Hey. Alors, chérie, comment vas-tu? Quoi? On a tiré sur nos sorts? Comment ça? Oh mon Dieu, qu'en est-il de mes marchandises? Je pense que tout est intact. Oh merde, ce n'est pas vrai. D'accord, d'accord, chérie, s'il te plaît, reste calme, comme rien ne s'est passé. Et ne te dérange pas, juste calme. Thank you.
mon Dieu! Bienvenue, mon chéri. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est Nonso? Oh, bébé, tu viens d'arriver à la maison. Tu devrais d'abord prendre une douche, te détendre, puis on verra. Tu sais, c'est très urgent. Ce gars s'amuse avec mes marchandises et il pense que je vais le rater. Où est-il? Ok, je pense qu'il est dans sa chambre. Appelle-moi. Très bien. Merci. Nonso? Eh oh! Nonso! Bienvenue, boss. Merci. Que s'est-il vraiment passé? Moi et Jacob, nous allions au lieu de rendez-vous habituel. Et pendant que nous étions en cours de route, j'ai réalisé qu'il y avait un véhicule qui nous suivait. Je l'ai dit à Jacob et lui ai demandé de rouler un peu plus vite, chose qu'il avait faite. Alors, après nous être débarrassés de ce véhicule, nous avons préféré prendre une autre route. Pensant que nous leur avons échappé, soudainement un autre groupe surgit et nous avait devancés. Hein, aisé, j'ai fait ce que je pouvais. J'avais fait de mon mieux pour les arrêter, mais ils m'ont tiré dessus et sont partis avec le crack. Donc, tu attends réellement à ce que je croie à ton histoire rocambolesque. Tu as juste 30 minutes pour chercher mon crack, ou je vais rendre ta vie très misérable. Dis à Jacob qu'il ne sera pas exclu. Alors, tu n'arrives pas à trouver mes marchandises. Qu'en est-il de Jacob? Il ne fait pas partie de la bande? Bien sûr, il fait partie. Bébé, tu sais quoi? Tu ferais mieux de commencer par te rafraîchir pendant que moi je dresse la table. D'accord? Écoute, mon cœur, arrête de te déranger comme ça. Hein? Essaye de mettre ça de côté pour l'instant. Ok? L'argent? Comment ça? Est-ce que le boss a mentionné mon nom? Oui, c'est ça. Il a dit que nous devons remettre cette drogue. Je ne sais pas. Je lui ai tout expliqué. Je ferai comment? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Tu étais là lorsque tout est arrivé. Mec, je suis juste confus. Je ne sais pas ce que je peux encore lui dire. Tu as vu tout ce qui s'est passé? Hein? Il m'avait presque tué. Je perdais déjà ma vie. Mais il insiste que nous devons toujours payer ça. Maintenant, tu suggères quoi? N'est-ce pas que c'est aujourd'hui que nous devons commencer un nouveau travail pour lui? Nous ne pouvons pas juste nous... Hein? Ah, vous êtes là. Le boss vous appelle. Nonso, dans cette vie, tu dois être malin. Sais-tu pourquoi? Tu sais, si tu n'es pas malin, tu ne pourras jamais réaliser tes objectifs. Tu feras partie de ceux-là qui parlent de ce qui est arrivé
et jamais de ceux-là qui font que cela arrive. Regarde. Non, ça? Ça, c'est une grosse opportunité pour que tu rejoignes une équipe supérieure. L'équipe de ceux-là que tu vois à la présidence, que tu vois au Sénat. L'équipe qui te donnera ce que tu mérites. C'est pas Ezibo. Devine quoi? Tout ce que tu as à faire, aussitôt que tu auras la poudre blanche, tu me la passes et je m'occuperai du reste. C'est très simple. Patron, tu as bien parlé. Tu as bien parlé, patron. Tu as vraiment raison. Tu as vraiment raison. C'est très simple. Mais j'ai juste un seul problème. Uchi est le genre de personne que Ezibo est. Si jamais j'essayais ça, si jamais j'essayais, il va s'occuper de moi. Ezibo va s'en charger de moi. Et il va me détruire. Non, ça. Je vais te protéger. Ne t'inquiète pas à propos de Ezibo. Tout ce que je te demande est de m'appeler lorsque tu auras les trucs. Un coup de fil, c'est tout. Le reste, ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai sans faute, ok? Tu comprends? Hey! Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas où. Je suis là. C'est trop risqué. Il n'y a rien de grave, ok? C'est trop risqué. Bien, c'est un risque, mais tu dois être fort, c'est ce que les hommes forts font. Plus tu en fais, plus tu deviens un homme. Ok les gars, c'est bon, on le fait. Hé, Nosso vient de m'envoyer un message. Et qu'est-ce que ça dit? En fait, le message dit, salut les gars, je suis en route et je me dirige vers le parc national de Groga. S'il vous plaît, rassurez-vous d'accomplir cette mission. Ok les gars, on fait ce qu'il faut. Le temps. Très bien, Roguet aura la mission de filer ces gars. Quand toi, en fait, Queen et toi resterez avec nous. D'accord. C'est compris? Très bien. Oh mec, tu dois filer ces gars maintenant là, ok? C'est bon. Tu as une mission à accomplir maintenant là. D'accord, je le ferai. Très bien, bouge. Nous devons partir, on n'a pas assez de temps. Nous n'avons pas de temps. Voilà, il s'étire d'ici. Nous restons tous ici. Tout le monde doit être en alerte. D'accord. Ok, très bien. Chérie. Je crois que tu devrais arrêter de torturer ce mec. Parce que depuis, il n'a rien dit de consistant. Peut-être qu'il n'est pas coupable. Et d'autre part, Jacob, il est déjà mort. Chérie, peux-tu essayer d'oublier tout ceci, s'il te plaît? Chérie, tu dis que je devrais oublier mon crack d'une valeur de 4 millions de dollars, juste comme ça? Non, ça n'arrivera pas. Bébé, peux-tu mettre un terme à tout ceci? Je t'en prie, je sais que tu peux le faire. On est tu pour cause la cause. No matter what they say, no matter what they do. Ezibo est sans cœur. Hein? Ezibo est sans cœur. Mais comment il peut faire ça? Il m'avait presque tué. Ezibo, t'as vraiment fait ça? Hein? J'ai vu la mort en face. Hey! Ezibo m'avait presque tué. Si tu vois ce qu'ils nous ont fait, c'était une expérience terrible. Mon chauffeur a même rendu l'âme. Oh! J'étais presque au point de
craché la vérité, mais je me suis dit, je dois être fort, je ne vais pas abandonner. Sinon... Regarde, c'est exactement ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. Tu dois les quitter. Tu dois l'abandonner. Eziboué est capable de tuer son propre frère. Comment il peut te faire ça? Je t'ai dit vrai. C'est pas grave, juste va-t'en. Va te reposer. Je m'en occuperai. Laisse-moi tout. Je m'occuperai d'Ezibo. Il saura pourquoi on m'appelle Liquid Metal. Je vais lui montrer. C'est quoi ça? Akwamia Lokomado Nassaut et Kenkeneme. Ezibo, cette fois-ci tu as exagéré. Regarde ce que tu as fait à Nonso. Malgré qu'il t'avait dit qu'il ne connaissait rien, tu l'as tabassé à mort. Akwamia, je te connais depuis des lustres. Et je ne suis pas surpris de ta déclaration. C'est évident que tu étais en complicité avec mon gars pour me duper. C'est très stupide ce que tu fais. Je t'appelle juste pour te mettre en garde parce que les choses peuvent prendre une autre tournure. Tu dois être un idiot pour s'immiscer dans mes affaires. Tu dois être un idiot et tu dois l'accepter. Et que ça soit la dernière fois que tu as pris ton putain de téléphone pour m'appeler à propos des sujets pareils. Quelle bêtise. Boss. D'où viens-tu? J'étais allé au salon me faire coiffer. Alors, comment Akwamia a appris que je suis responsable de tes blessures? Je l'ai rencontré au salon. Et tu lui as dit? Donc, tu lui as dit? Va préparer ta valise. Dans 2 jours, nous prendrons le vol pour le Nigeria. Mes anciens. Igwe. Notre fils, Ezibo, a apporté un cas auprès de moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion urgente. Pour que nous puissions délibérer sur ça et les traitions amicalement parce que c'est un problème délicat. Ezekbo. Igwe. Peux-tu dire aux anciens ce que tu m'as dit? Igwe, longue vie à vous. Continue. Les aînés du royaume de Fité. Je vous salue tous. Ezibo. Voici, assis ici Nonso, mon assistant. Et ici, nous avons Etier Odé. Nous le connaissons tous. Il est l'oncle de Nonso. Après l'enterrement de ma mère, je ne pouvais pas retourner immédiatement en Afrique du Sud. Parce que je devais rester un peu pour arranger certaines choses. Donc j'ai envoyé Nonso d'aller gérer mes affaires. Malheureusement, 2 jours après son départ, il m'a appelé pour me dire que certains gars lui ont tiré dessus. Et se sont enfuis avec mes marchandises d'une valeur de 4 millions de dollars. Oh. Hey, non. 4 quoi? 4 millions. 4 millions. Non. Hey, 4 millions. C'est pourquoi je lui ai fait venir afin que Votre Altesse et les chers aînés vous m'aidiez à le supplier de rendre mon argent ou me dire où se trouvent mes marchandises afin que j'aille les chercher. Oui.
Nonso, tu as entendu ce que ton maître a dit. Alors, qu'est-ce qui est réellement arrivé? Igwe, je vous salue. Mes anciens, je vous salue tous. Les marchandises m'ont vraiment été ravis au point des débarquements. J'avais essayé de résister. Mais on m'a tiré dessus. Igwe, regardez mon bras. Mes anciens qui étaient là, regardez mon bras. J'ai toujours été loyal envers Ezigbo. Il est mon boss. Je ne peux en aucun jour mordre la main qui m'a nourri. Si j'avais ma main dans ce qui s'est passé pendant la torture, j'aurais fini par dire la vérité et aurais dit tout ce que je connais à propos de ça. S'il vous plaît, Igwe, et mes anciens, je vous en prie, aidez-moi à supplier mon boss, Ezigbo, de bien vouloir croire que je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Non, So, écoute, est-ce que tu étais allé à la police quand toutes ces choses se sont passées? Hein? Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Pourquoi? J'étais confus. Cela ne m'est pas venu à l'esprit. Je suis désolé. Imagine. Mais tu es déjà un suspect. Lorsque cela était arrivé, tu n'as même pas pu informer la police. Essaies-tu de nous dire que si cette marchandise t'appartenait, tu n'aurais pas informé la police? Honnêtement, toute cette histoire est compliquée. Nous avons entendu Nosso dire que la marchandise lui a été prise par des voleurs armés. Alors, comment espérer quelqu'un qui a reçu une balle d'aller faire une plainte à la police? Il devrait d'abord penser à aller à l'hôpital le plus proche pour être bel et bien traité et non aller voir la police. Chef Oudé, tais-toi, mon frère. Tais-toi. Quoi? Tais-toi. Écoute, tu n'as pas le droit de te prononcer sur cette question. Ferme ta bouche. Écoute-toi toi-même. Itiokon, quoi? Ne me demande pas de rester calme. Car je suis tellement sûr qu'au nom où que nous voyons, on ne lui a jamais tiré dessus. C'est pourquoi il n'arrive pas à comprendre ce garçon. Oh mon Dieu, Itiokon, est-ce que tu fais allusion à moi? Fais-tu allusion à moi? On ne t'a jamais tiré dessus. C'est bon. C'est bon. Calmez-vous. Ezigbo, si je dois suggérer, s'il te plaît, peux-tu être en mesure d'oublier ces problèmes, eu égard aux douleurs et aux blessures que ce jeune homme porte? Alors si il a vraiment participé à la disparition de ces marchandises, les dieux de nos ancêtres seront derrière lui. Mais si ses mains ne sont pas dedans, les dieux de nos ancêtres vont-ils rembourser au centuple? Je t'en prie, mon fils. Avec tout le respect, Votre Altesse, je ne vais rien prendre en considération. Je ne vais pas laisser cette affaire aux dieux. Il faut qu'il rende mes marchandises ou mon argent. Voilà. S'il ne le fait pas, quelque chose de dramatique lui arrivera. Chikina. Ezigbo. Reviens, Ezigbo. Ezigbo. Ha. Mon oncle. Voilà. Comment ça va? Oui, bienvenue mon fils. Ah, oncle, à qui appartient tout ça? Tout ça? Oui. C'est pour toi. Oncle, je ne peux pas partir avec tout ça à l'aéroport. Je ne peux pas prendre tout ça. Pourquoi? Mais tout ce que tu devras faire, c'est de demander au conducteur de mettre tout ceci dans le coffre. Oncle,
L'avion et les transports sur la route ne sont pas la même chose. Ils sont vraiment très différents. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre tout ça à l'intérieur de l'avion. Hein? Ne t'en fais pas, oncle. Hein? J'irai mieux. Voyons voir. Oncle, s'il te plaît, prends cet argent et prends bien soin de toi. C'est juste un peu d'argent. Tout ça pour moi? Ouais, c'est pour toi. Hey! Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. C'est bon mon oncle, je dois partir maintenant. Hein? Vraiment? Ok, viens, viens. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te protège. Amen. Que Dieu te guide à ton retour en Afrique d'ici. Amen mon oncle, que Dieu te bénisse aussi. Alors, quand est-ce que je te verrai encore? Si Dieu le veut, je crois bien à Noël. À Noël, je serai ici. Ok, Noël. Comme ça, nous aurons du temps pour se réjouir. Madame, Kenne madame moi. Ouais, ça va. Bon voyage à toi, mon fils. Bon voyage, mon fils. Mon bembo, madame. Namikili apoto. Pouvez-vous imaginer tout ceci? Laisse-moi reprendre ça. Les voyages en espace. Oh. Alors, comment ça s'est passé? À chaque fois la même vieille histoire. Il a insisté que je retourne la marchandise ou lui retourner l'argent. Non, il a insisté que je puisse lui ramener sa marchandise. C'était un peu ça les débats devant les anciens et les Igwe. Tu sais, la marchandise, la marchandise. Oui chérie. Chérie, c'est comment? À propos de ce que tu m'avais dit, je t'attends s'il te plaît. Ok, c'est bon. À chaque fois que je promets, je réalise. Tu me connais, non? D'accord. Ouais, continue. Tu sais, cette fois-ci, il a même menacé de me ôter la vie. Tu sais, je vais te dire, oublie Ezibo. Ezibo, c'est comme un tonneau vide. Il fait beaucoup de bruit. Oublie toutes ces menaces. Calme-toi. Profite de ta vie. Non, ça? Omaka. Sais-tu pourquoi on m'appelle Liquid Metal? Sais-tu pourquoi on m'appelle Aquamia? Liquid Metal. Aquamia Odogu. Ajoute Liquid Metal. Aquamia Odogu. Ajoute Liquid Metal. Aquamia, le faiseur de roi. Ah, voilà. Écoute, je suis derrière toi. Oui, c'est ça. Ezibo, c'est un petit. Tu as raison.
Est-ce que Nansu t'a déjà informé qu'il est de retour à Djobourg? Non, il n'est pas de retour. L'as-tu vu? Je l'ai vu plus tôt dans la journée, il faisait des achats avec une fille. Oh, Nansu dilapide en toute confiance mon argent. Hein? Nansu m'a doublé. Mais je vais lui faire savoir que la bouche qui goûte le morceau de fer n'aura plus de dents pour raconter l'histoire. Oh, ce gars mange mon argent comme du biscuit. Chérie, qu'est-ce que cela veut dire? Ne te dérange pas. C'est un adage. Peu importe, viens par ici. J'ai appris que Nansu est dans la ville. Allez le chercher et ramène-le-moi. Oui, boss. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, boss. Bien. Et ne revenez pas sans lui. Oui, boss. Ouais. Je viens de le voir. Il parle au téléphone. Mec, regarde cette fille-là. Mec, Nansu est vraiment bien en matière de femme. Attendons juste qu'il bouge. Ouais, on va faire comme tu as dit. Ah, 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 ah.
to like that I tune to watch. I could ever choose to not, cause whenever that I wanna tune to rap or tune to Afrobeat and catch a movie from Nigeria that you can see in your area, that you can receive in your area. No tariff, no beef, just peace. Afro rebel sees no barrier, no need of verbiage. I'm out. Il est à l'intérieur. Amène-le. Oui, boss. Hey! Hey! Oh! Hey! 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 Mon garçon. Nonso, j'espère que tu t'étais bien amusé avec mon argent, parce que à présent c'est mon tour. Bob. Ouais, boss. Puis-je avoir ton ange gardien? Hey, le boss. Ouais. Liquide métal. Le boss. Aïe, aïe, aïe. Le tout puissant. Hey, l'homme le faiseur de roi. Oh, mes gars. Le liquide métal. Je peux bien voir que vous êtes tous prêts, hein. C'est évident, boss. Mais je n'ai pas vu Nonso. Où est Nonso? Il n'est pas encore de retour, il est sorti. Dites-lui. Il doit être prudent de la façon dont il se promène avec sa petite amie, hein. Personne n'est sans ignorer que son ancien boss est en colère contre lui et c'est un malade, ce type-là. Il faut lui dire ça. Chérie, ne t'inquiète même pas pour lui. Il est si grand pour prendre soin de lui-même. C'est quoi? Espérons-le. Allez, hey. Le gars, à plus. Okay, d'accord, oui, boss. Bye. Très bien. Au revoir. Reçu le message. À quoi mien? Comment puis-je t'aider? Yézibe, tu as commis le pire, n'est-ce pas? Non, écoute-moi. Toi, écoute-moi. Tout est très clair maintenant. Ok,
Udo, Udo. Oh non, non, tu es vraiment sans cœur. Écoute, non, non. Écoute, si je t'ai appelé, c'est pour que tu puisses m'écouter. Tu es vraiment très méchant. Après tout ce que Nonso a fait pour toi, c'est comme ça que tu le remercies? Tu as voulu sa mort, tu as insisté et tu l'as tué. Oh mon frère, t'as exagéré. Man, écoute, tu m'entends? Tu as dépassé les bornes. Tu as vraiment tout gâché. Et Zibo? Bia, viens prendre son cadavre là où tu l'as laissé devant mon portail. Va l'enterrer. Mais moi, je vais te montrer pourquoi on m'appelle Liquid Metal. L'homme que tu vois, mais tu ne vois pas du tout. Je vais t'enseigner une leçon que tu n'as jamais apprise. Non, 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 non. Toi, écoute-moi. Je t'ai appelé, ok? Donc, tu dois m'écouter. Écoute! Viens prendre son cadavre et va l'enterrer. Mais tu sais quoi? Tu auras de mes nouvelles. On verra bien. Aquamia, les liquides métal, les trafiquants les plus dangereux. C'est quoi ça? Allez, arrête! Je ne veux plus te parler. Espèce d'idiot. Apporte-moi une bouteille. N'importe quoi. Apporte-moi une bouteille, vite! Vous êtes tous des petits joueurs, oui. Je ne vois personne ici. Ah, écoutez, je vais vous battre. T'es un petit joueur, tu ne sais même silence, pas jouer. Silence, mec. Tchao, je t'ai eu, non? Rien du tout, mec. Tu n'as rien à faire ici. Oui, vas-y. Vas-y, mec, vas-y. Allez. Si je ne gagne pas ces matchs, franchement, je ne sais pas. Bam, tiens ça. Jouez, non? Vous avez peur? Tu parles beaucoup, mais tu ne vas rien faire. Hey! Trop bien. Jouez, jouez. Regardez. C'est ce que je sais faire. Tu penses déjà mon attaque? Regarde ce que je vais faire. Allez. Tiens ça. C'est quoi ça? Vas-y. Joue maintenant si t'es un homme. Regarde, tu ne sais pas jouer toi, hein? Là. Allez, tu veux jouer avec ça? Allez, hein? Joue avec ça.
tu la fermes. Vous êtes des imbéciles. Vous osez me saluer quand vous avez laissé ces garçons partir d'ici librement? Boss, ils étaient venus de manière imprévue. Tu dois être vraiment stupide pour dire cela. Vous attendez de vos ennemis de vous dire qu'ils vous rendront visite? Des idiots. Sortez, sortez. Sortez d'ici! Est-ce que tu vas bien? Ça va, ok? Je suis maintenant ici avec toi. The channel, Afro-Ravo. Ilengina kutala, sentimana kulanda, Yango na puna aporevo, shuna bafri africain. Oka! Ilengina kutala, sentimana kulanda, Yango na puna aporevo, shuna bafri africain. Aporevo, ilengina kutala, aporevo, kulanda yango. Nous avons gagné la bataille. Ok? Donc célébrons! Allez, dansez! Le score maintenant est 2-1. Nous sommes en train de mener l'équipe du Liquid Metal. Écoutez, je dois montrer à ces gars pourquoi on m'appelle Liquid Metal. Ils ne comprennent pas ça. Oh mes potes! Vous savez, Ezebola est dans sa tête. Il continue d'halluciner. Dansez les gars, dansez, hein. C'est un moumou. Imaginez, c'est moi qui lui ai appris ce business. Écoutez, je vais enseigner à cet idiot la plus grande leçon de sa vie. Hein? À chaque fois qu'il entendra parler des Liquid Metal, vous savez quoi? Il aura peur. Il aura très peur. Je suis pas son ami, moi. Dansons les gars. Allez, vivons. Ça sent la fête ici. Shaggy. Oui, boss. Shaggy, on doit recruter de nouveaux membres. La bataille a pris une autre allure. La guerre est lancée. Dorénavant, je veux opérer dans cette chambre. Ok? Je serai dans cet hôtel jusqu'à nouvel ordre. Bien, boss. Ezibo. Ezibo pense qu'il peut tout contrôler. Il pense qu'il est plus fort que moi. Dans ma propre maison. Bon, ce sont des amateurs. Ah ouais. Ils ne s'y connaissent pas. Je vais leur montrer notre talent. Le Liquid Metal. Hein? Le Liquid Metal. Je ne crois pas ça. Bon, ces gars ont vraiment osé. Dendaoski Boroka. Hey! Je vais lui enseigner une leçon. Qu'il n'oubliera jamais. On verra. Cet imbécile d'Ezibo ne va pas comprendre ce qui va lui arriver d'ici peu. Bon, s'il n'en a même pas la moindre idée. Donc ils sont morts. Hey! Hey, Ezibo. Il n'a même pas peur. Ezibo veut tuer les Liquid Metal. C'est ce qu'il veut. Ah! Boss, c'est un amateur. Il doit encore apprendre. Il ne va pas tenir, c'est un petit, il vient d'arriver. Les liquides métal. Hein? Les liquides métal. Il ne saura pas mener cette guerre jusqu'à la fin. Hey! On lui rendra son compte.
J'ai ce pressentiment que Aguamia reviendra encore vers nous. Et je ne veux pas perdre aucun de vous. C'est pourquoi je vous ai appelé pour vous dire que nous devons nous rendre au Nigeria pour y rester quelque temps. Soyez prêts. Demain matin, nous quittons. D'accord, boss. Pourquoi nous a-t-il demandé de venir l'attendre ici? Hein? Quand il savait qu'il n'allait pas se présenter jusque maintenant. Calme-toi, Zero. Il arrivera certainement d'ici là. Ok? Peut-être qu'il y a de l'embouteillage. Et... Shaggy. Désolé les gars, désolé. Oh pote, comment va? En fait, j'essayais d'arranger quelque chose pour mon boss. Désolé pour ça, vous acceptez mes excuses? Excuses acceptées. Ok, bien. Alors, Shaggy. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions exactement? Je veux que vous m'accompagniez dans une mission qui exige l'utilisation des armes à feu. L'enveloppe contient 30 000 dollars. C'est pour vous deux, juste pour vous montrer combien cette mission est importante. Ok, Shaggy. Marché conclu. Oh, conclu? Ouais. Ouais, conclu. Ouais, c'est bien. Très bien. Alors, j'aurais vraiment besoin de vous deux dans ce deal. Alors bien, bro. Très bien. Les gars, merci beaucoup. Shaggy. Oui, mec. Grand combat. Shaggy boy. Oh merde! C'est verrouillé? Merde! Et merde! Eh les gars, allons-y! Oui, allô? Hein? Ok, la réception? Ouais? Ils veulent me voir? C'est quoi leur nom? Ok, ok, ok. Qu'ils entrent. Ok, merci. Ouais, entrez. Oh. Shaggy. Bon. Comment ça s'est passé? J'espère que tout le monde est mort. Du plus jeune au plus grand. N'est-ce pas? Boss, il n'était pas là. Hmm? Boss, il n'était pas là. Ils ont même verrouillé leur portail.
Merde. Ezibo. C'est très intelligent de ta part. Seul Dieu sait comment ça va finir. Boss, je pense qu'ils ont eu à aménager dans un hôtel de la ville. Non, ça c'est pas Ezibo. Il est plus intelligent que ça. Je le connais. Il connaît les règles. Il les connaît très bien. Il ne prendrait jamais de tels risques. Non. Amener son fils, sa femme et ses hommes à l'hôtel? Non, 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 non. Je ne crois pas qu'il peut aller se cacher dans un endroit pareil. Toutefois, vous savez quoi? Partez. Allez vous reposer. Bien, boss. Je reste réfléchir et je reviendrai à vous. Très bien. D'accord, boss. D'accord, boss. Shaggy. Boss. Assieds-toi. Shaggy. Boss. Lorsque tu étais arrivé là-bas et trouvé le portail verrouillé, qu'avais-tu fait? Boss, je leur ai juste laissé une note. Oh. Tu leur as laissé une note? Oui, boss. Mais je ne sais pas si j'aime. Et arrête, tais-toi. Juste, dégage. Très bien, boss. Je leur ai laissé une note. N'importe quoi. Idiot. On parle de massacrer et toi, tu leur laisses une note. Est-ce que ce garçon est normal? C'est quoi ça? Ezibo. Je te trouverai. Tu sauras pourquoi on m'appelle liquide métal. Tu sais ce qu'on dit, non? La guerre sera très longue et populaire. On verra. Agou. Bien, Agou. Bonjour, monsieur. Je suis venu voir Ezenibo. J'espère qu'il est là. Il n'est pas là, monsieur. Comment ça, il n'est pas là? Je viens de lui parler au téléphone et il sait que j'arrive. Désolé, monsieur, il n'est pas là. Hé, hey, toi, écoute-moi. Écoute, petit. Ne nous mens surtout pas, car je te mettrai une balle dans ta cervelle. Il n'est pas là, monsieur. Alors, dis-moi. Où est-ce qu'il se trouve? Il est parti à l'église. Quel est le nom de l'église et où est-ce que ça se trouve? C'est l'église catholique Saint-Philippe. Saint-Philippe? Oui, monsieur. New Fidèle. Oui, monsieur. Hein?
agenouillez-vous devant le Seigneur. J'ai senti dans mon esprit que je dois prier pour cette famille. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la famille de rester après la messe. La révélation était sur votre sécurité. J'ai prié, mais nous allons aussi prier ensemble. Aucune chose ne va arriver à cette famille. Amen. Allô, Noah. Allô? Non, c'est Obele. Le boss est occupé à l'église. Obele? À quoi mes ces garçons sont venus chercher le boss? Dis au patron qu'à quoi est en train de venir avec ces garçons à l'église. Ils sont en train de venir ici. Ok, je le ferai. Je vais lui dire. Je vais lui dire maintenant. Merci. Docteur. Oui. Donc, ce sont aussi certaines des personnes qui ont survécu à la fusillade? Oui, mais au fait, il y avait également d'autres survivants. Mais ils sont malheureusement morts avant d'arriver ici. C'est dommage. Mon cher peuple du royaume des Fitiers, je suis personnellement peiné par cette tragédie. C'est une honte personnelle pour moi. Je veux vous assurer que ceux qui ont perpétré ce crime craculeux ne resteront pas impunis. Et je vais vous assurer aussi que je vais payer vos factures d'hôpital jusqu'à ce que vous récupériez complètement et que vous retourniez chez vous. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie votre geste. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Ok. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Docteur. Oui. Où est mon père? Votre père a été placé dans une autre pièce. Puis-je le voir? Allons-y. D'accord. Il est là, votre père. Hey! Pourquoi? Quittez. Vous deux, s'il vous plaît. Laissez-moi seul. Enoch. Maman, je vous ai appelé tous les deux parce qu'il y a quelque chose d'important que je vais discuter avec vous. D'accord.
C'est quoi le problème? Nous sommes là, nous t'écoutons. Je suis fatigué de pousser de la brouette, je dis bien de la brouette dans ce village et recevoir toutes sortes d'insultes de tout le monde. Je suis fatigué. Je veux quitter le Nigeria. Je veux voyager pour un autre pays. Tu veux voyager pour un autre pays? Oui. Quel pays? Afrique du Sud. Ah. Ce n'est pas possible, non? Tu ne connais personne là-bas. Maman, je connais mon ami Itego en Afrique du Sud. Itego était mon ami quand nous étions au cours secondaire. J'ai discuté avec lui et il m'a dit de venir. Bien, mon fils, ton idée d'aller en Afrique du Sud n'est pas du tout mauvaise. Ok. Mais il y a des choses à considérer. Par exemple, pour aller en Afrique du Sud, tu dois avoir de l'argent. Et tu n'as appris aucun métier qui pourrait t'aider à survivre là-bas. Papa, ce que je ferai une fois arrivé là-bas ne devrait pas te déranger. Hein? Même si je pousse la brouette en Afrique du Sud, je serai un millionnaire. D'accord. Vous ne savez pas que si c'était à l'étranger que je pousse cette brouette, je serais déjà un millionnaire. Oui. Tu veux aller à l'étranger? Si je commence à pousser une brouette, c'est mieux pour moi. Tu as vraiment raison. Et tu ne dois pas finir ta vie comme ça. Mon cher, ce que tu as dit est vraiment bien. Merci, maman. Oh, de manière. Mais tout ce que j'ai à te dire, tu es notre seul fils. Okwema, va dans ta chambre. Dors. Kanisa, Malamo, Boutou et Memakatoli. Tu sais que tu as tout notre soutien, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Merci. Hmm? Merci, maman. T'inquiète. Pas de problème, pas de problème. Hein. Fais ce qu'elle a dit. C'est bien. On verra, ça va aller. J'espère que vous avez aimé la nourriture. Très bien. Papa, tu vois, Dieu est merveilleux. Ça vient de notre champ. Oh oui. Non, alors je vous rajoute la nourriture. Donne-moi encore. Eh, Menande, que pensez-vous à propos de ce que votre fils avait dit hier? Ma femme, je pense que je serai en mesure de faire quelque chose à partir de ce que nous avons. Amen. Tu comprends? Nous allons trouver quelque chose et puis commencer par là. Amen. C'est ça. Hey, vous êtes merveilleux. Nous pouvons, nous pouvons. Vous êtes vraiment un père. Que je vous rajoute la nourriture. Donne-moi encore de nourriture. Amoka. Amoka. Osawa Pioko Baksela Papa Nawe Biloko. Le terrain n'est pas mal, mais le montant est trop élevé. Ah, c'est trop commun. Mon frère, regarde la portion du terrain. Deux lots de terrain. Pour 1 500 000, ce n'est pas trop, non? Regarde-le bien, mon frère, regarde-le. Hein? Mazou Konko, tu sais que je n'ai pas l'intention d'acheter un terrain maintenant. J'ai déjà le mien. Je vais te donner 800 000 RA. 800 000 naira. Hey, mon frère, 800 000 naira, c'est trop pauvre pour ce terrain. Regarde-le, hein? D'accord, voici ce que je vais faire. Je le laisserai à 1 300 000 naira.
tout ce terrain. Prends-le. Mazo Konko, j'achète ce terrain parce que on est amis. Oui. Parce que je veux t'aider. Si tu ne m'avais pas dit qu'il y a une personne qui doit voyager avec l'argent que tu vas faire ici, je ne t'aurais pas suivi ici. Hein, je vais te donner 800 000. Ha. Si tu es d'accord avec ça, viens demain matin avec le document et deux témoins. Je vais préparer un compromis que nous allons signer avant de te donner l'argent. Donc tu n'y ajoutes rien. C'est un ami intime à moi, tu vois. Hein? Hein? Mais je ne sais pas. Mon fils, laisse-moi te demander. Que penses-tu qu'on peut faire maintenant? Parce que ce terrain, le vendre à 800 000 naira, c'est insignifiant. Hein? Très insignifiant. Papa. Qu'allons-nous faire maintenant? Je sais que 800 000 naira sont peu pour ce terrain. Oui. Ça, c'est clair. Mais nous n'avons pas le choix. Hein? Vendons le terrain afin de toucher cette somme. Hein? Nous n'avons pas le choix. Le problème n'est pas seulement de vendre le terrain. La question est celle-ci. Est-ce que 800 000 naira pourra t'amener en Afrique du Sud? Non. Non, ça me... Ce n'est rien. Ça me suffira de faire mes papiers et ça m'amènera en Afrique du Sud. Es-tu sûr? Oui, papa. Es-tu sûr? Papa, ça suffira. Si ça peut suffire, ça va, non? Bien sûr, ça va. Suffira. Merci, papa. Parce que je pensais avant que 800 000 naira ne t'aidera même pas à faire les papiers jusqu'à t'amener en Afrique du Sud. Mais si c'est comme ça, oui, papa, pas de problème. Ça suffira. Ça va. Ça suffira. Dieu merci. Je vais gérer ça. Tu vas gérer ça. Je vais gérer ça. Hein? Pourquoi tu pleures maintenant? Hein? Ton frère, tu veux me manquer. Oui, mais ça ne va pas durer, non? Tu seras de retour bientôt, hein? Ça va, non? Arrête de pleurer, ok? C'est bon, il reviendra. Namdi. Maman. Jésus-Christ et la Sainte Marie vont t'accompagner jusqu'en Afrique du Sud. Amen. Amen. Quand tu vas arriver là-bas, n'oublie pas la famille que tu as laissée. T'inquiète pas. Rappelle-toi toujours d'où tu viens. D'accord, maman. Ne te focalise pas trop sur l'argent. Parce que Dieu va te donner l'argent au moment opportun. Ananien, tu es un chrétien. Une fois que tu es là-bas, continue ta vie de chrétienté. Ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Merci, maman. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Afrique du Sud et copé sa bénédiction. Amen. Nyonso kosala et coquin de libération. Misala na yo nyonso et kofulu. Amen. Yesu Masiya azanayo. Yesu Masiya nde bozunayo. Amen. Amen. C'est bon, oh? À mon cas, ça va aller. Namdi, mon fils. Ta mère a tout dit, oh. Oui, oh. Je sais que tu me rendras fier. Amen. Par la grâce de Dieu. Oui. Que Dieu te bénisse. Merci. Namdi, s'il te plaît, prends bien soin de toi. Si tu arrives en Afrique du Sud, sois un bon homme. Que tu es. Je t'en prie. C'est bien. Amaka, c'est bon. Amaka, ok. Ne te dérange pas trop. Nandi. Oh, mon fils, bye bye. Oh. Mon bembo malamo. Ça suffit.
Amaka, arrête de pleurer, ça va aller. Maman, maman, cette sauce m'a vraiment manqué. Oh, et tu l'as bien préparée. Comme toujours. Mon frère, c'est moi qui ai préparé ça et non maman. Mm-hmm. Qui t'a demandé? J'ai juste gardé silence, tu leur as dit la vérité. Allez. Je n'ai pas de problème, c'est ta soeur qui avait préparé. Alors, donne-lui le honneur qu'elle mérite. Maman, c'est tellement délicieux. Tu as aimé la nourriture, maman. Hein? Oui, maman. C'est ta soeur qui a préparé, alors encourage-la. Grand-père, tu as aimé? Merci. Tu as bien préparé. Hey. Agonie, hein? Oui, papa. Merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant que tu es revenu, oui. Je veux te demander. Quand vas-tu te marier? Je suis déjà marié, non? Hein? Je vous ai envoyé nos photos de mariage. Ne vous ont-elles pas été livrées? C'est vrai, tu as raison. Elles étaient livrées. Elles étaient livrées. Mais, voici tout ce que je demande. Maintenant que tu es revenu, hein, tu as épousé là-bas une Sud-Africaine. Nous voulons que tu épouses une fille autochtone, Igbo, c'est-à-dire de notre communauté locale ici, non? Hein? Quoi délégué? Ton père a raison de dire ça. Tu as épousé une femme sud-africaine pour avoir tout ce que tu as maintenant. Mais la vérité est que nos petites filles sud-africaines ne sauront pas s'adapter au système d'ici. Alors, ils ne sauront pas nous représenter comme il faut. C'est ça. Nous voulons que tu épouses une fille Igbo. Ok, ok. Je vais épouser une autre femme ici. Mais ce n'est pas à cause de ça que je suis de retour. La raison pour laquelle je suis là est que je veux démolir cette maison. Hein? Et la remplacer par une belle maison de maîtrise. Vraiment? Omekania. Hein? Tu veux démolir cette maison? Où est-ce que nous allons aller habiter? Pendant que tu seras en train de construire celle-ci. Ta mère a raison. Il y a des terrains partout. Tu peux choisir n'importe où pour construire le genre de maison que tu veux construire dans ce village. Hein? Laisse celle-ci d'abord. Ok. Hein? Ok. Pas de problème. Je vais commencer à faire des arrangements pour ça. Oh, des mains. Hein? Merci. Ah, ego Dieu. L'argent. Ah, que dis-tu? L'argent répond. Tu pleurais ici, non? Maintenant, tu commences à rire. Hé, hé, hé. On met un nez. Eh ben. Tu es là qui va beau là. Tu es un peu là. Hé, hé. Ah, papa, Anna. Où vas-tu en s'habiller comme ça? Hein? Comme un jeune. Le chef Ogbo Javon m'a invité à prendre part au mariage traditionnel de sa fille. Ok. Donc c'est là où je vais. Tu as l'air élégant. Je vois ça, c'est cool. Comment suis-je? Impressionnant. Mais il y a quelque chose qui manque. Je le sais. Ok. Je le sais. Fais-moi voir ça alors. Attends seulement. Ok. Oui. Oh oui, oh oui. Papa, je vois que vous êtes prêt. Oui, je suis prêt. Okay. Oh mon Dieu, ça c'est cool. Il faut conduire prudemment. Hey. Et n'oublie pas de clignoter avant de changer de direction. Ok, hein? Ça marche. Ok. Enseigne-toi. Merci papa. Oh mon Dieu. Hé, hey, Nayokonko, bonjour. Oh, belle. Ah, bonjour. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je vais bien. Que je dépose ça où? Là-bas où habituel, monsieur? Dépose-le là-bas. Ok. Papa? Hein? Qui est celui-là? Il s'appelle Obele. Le fils de Okuyotaka. Ok. En fait, ce garçon nous aide beaucoup avec ta sœur. En nous puisant de l'eau. Et nous cherchons des fagots de bois depuis que tu as voyagé à l'étranger.
Ça c'est bien. Je pense que je vais le prendre comme mon aide et l'emmener en Afrique du Sud. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais tu dois voir ses parents d'abord. Bien sûr, je le ferai. Naï, au revoir. Hein. Oh ben, merci. Ok, derrière Naï. C'est bien. Ok. Mban. Hein? Laisse-moi aller revenir. Bien comme moi. Merci. Merci. Oh mon Dieu. Voilà. Conduis prudemment, hein. Raise my sound. Motobuna East. Agora mesmo.
Papa. Oh, oh, mon fils. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Ce visage même familier. Ah, c'est vrai ça? Tu te rappelles de ce visage? Oui, je me souviens. Il fait partie des gardiens. Père intelligent. Oui, mais je suis sûr que tu étais l'un des jeunes hommes qui distribuait des dollars. Exact, le jour papa. Où ma femme a été enterrée. C'est au fait lui qui m'a enseigné tout ça. Je te remercie beaucoup. Prie, vous les gars, vous avez bien fait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. De rien. De rien. Ah, mon fils. Assieds-toi. Eze, je dois m'en aller. Aïe. Ezegeo Konega. Je pars aller régler les problèmes dont je t'avais parlé. Ça va. Mais papa, il faut que je l'accompagne un peu. J'espère que ce n'est pas moi qui te renvoie d'ici. Oh non, non, c'est pas ça. Avant même que vous ne veniez, j'étais déjà sur le point de partir. Ce n'est pas à cause de vous, ne vous inquiétez Merci. Pas. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci. Prenez ceci. C'est pour vous. Tu me surprends toujours, de façon agréable. Nous vivons pour vous. Tu sais, à quoi mien? On est ouais, Wetaka, Tukunaku. C'est ça. Hein? Donnez et il vous sera donné. C'est ça, Eze. À quoi mien? À quoi mien? Oh non. Dieu te donnera. C'est pour mon ami que je le fais. Et Simdengene. Ah ouais, je dois partir. Wow. C'est très bien. Au revoir, papa. D'accord. Papa, j'arrive, je vais l'accompagner. D'accord. Oh oh. L'argent. Je suis très heureux. Père, que pouvons-nous vous offrir? Oh, non, 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 ne te dérange pas. Ça va aller, je suis rempli. Ok. Soyez le bienvenu. Merci. En effet, je suis venu ici pour une chose très importante. Ok. Qu'est-ce que cela peut être? Je me suis demandé pourquoi toi, Namdi, de toutes les personnes, tu as refusé d'honorer la tombe de ta mère pendant l'enterrement. Et depuis ces jours, je suis vraiment inquiet. Il y a aussi ces rumeurs qui circulent dans le village que tu as tué ta mère soit utilisé ses parties intimes pour les rituels. Quoi? Père? Oui. C'est ça les rumeurs qui coulent? Oui, c'est ça. Qu'il a tué sa mère? Hey! Papa? Hey! Laisse-moi gérer ceci. Père, s'il vous plaît, puis-je vous poser une question? Oui, allez-y. Souvenez-vous du jour où vous aviez dédié la maison pour moi? Oui. Rappelez-vous aussi que vous êtes celui qui a prié et a demandé à Dieu de me surprendre avec beaucoup de bénédictions. Mm-hmm. Je sais que vous vous rappelez.
aussi que le moment où j'ai réalisé tout ce que j'ai fait pour cette communauté, ma mère était encore en vie et en bonne santé. C'est vrai. Alors, comment puis-je l'utiliser pour faire de l'argent quand Dieu m'a déjà béni avec de l'argent? Ça n'a pas de sens. Père, je peux te dire avec certitude que mon fils n'a pas tué ma femme. Ce sont des fausses rumeurs. Souviens-toi qu'elle avait arrêté de s'associer avec mon fils très longtemps avant sa mort. Donc, comment est-ce que le fils qu'elle a nié jetterait du sable sur sa tombe? Elle pourrait le nuire? Et tu sais cela? Nayokonko. De quel côté es-tu? S'il te plaît, pour la cause de Dieu, je ne suis du côté de personne. Je ne fais que te dire la vérité. C'est bien. Oublions ça. Ça va? Je ne suis venu juger personne. Oui. C'est seulement Dieu qui peut juger. C'est seul Dieu qui voit le cœur de l'homme. Et il est le seul juge. Namdi. Papa. Donc, tu vas retourner en Afrique du Sud demain? Oui, papa. Les papiers de ces jeunes que je veux emmener en Afrique du Sud sont prêts. C'est vrai? Oui, tout est prêt. Mais tu devrais attendre que les ingénieurs finissent, non? Hein? Ils ont presque fini le travail. Je sais, mais je pensais que je n'allais pas rester longtemps dans ce voyage. Et c'est ce que j'ai dit à ma femme. Mais je suis ici depuis plus de 3 mois et ma femme s'inquiète. Tu parles encore de ta femme là. Tu dois épouser quelqu'un d'ici. Papa, la question maintenant est que ma femme est enceinte. Hein? Et je ne peux pas la laisser seule là-bas. J'ai besoin d'être avec elle. Je comprends, je comprends. Mais, as-tu parlé à ta maman de ton retour? J'essaie de lui dire. Et à chaque fois, elle me pousse des jurons et me quitte. Hey! Que me dit ceci? Que me dit tout ceci? Ah, mon Dieu. T'inquiète pas, mon fils, hein? Ne t'inquiète pas. Tu m'entends? Le Dieu Tout-Puissant au ciel veillera sur toi jusqu'en Afrique du Sud et tes activités là-bas. Amen. Ne pense pas beaucoup, Nam. Dieu est au contrôle. Merci, Père. Il prendra soin de toi. C'est une situation terrible. Mais ne t'inquiète pas. Hey! Hey! Akwamia, tu as réussi. Tu m'as arraché la prunelle de mes yeux. Hey! 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 Okomanem. Ibro. Nanamo. Akwamia. Chaka walomi. Chaka wawomi. Juste, attends-moi. Aïe! Aïe!
Je le savais. Je sais qu'Ezibo est derrière tout ça. Je ne peux pas oser sortir. Minutes pour te décider. Tes 10 minutes commencent maintenant. Voilà là où cette fille m'a amené. Maman! Hey! Oh, Jésus! Hey! Maman, s'il te plaît! Maman, s'il te plaît, réveille-toi! S'il te plaît! S'il te plaît. S'il te plaît, maman, réveille-toi, non. Maman, ne me laisse pas, non. Maman... À quoi, Mia? Donc, la mort est douloureuse? Mais pourquoi pleures-tu? Comme si la vie de ta mère est plus importante que celle des gens que tu as tués à l'église. Je vais te faire payer chèrement pour ça. Inspecteur, je vous le laisse. Mais c'est à quoi, Mia? Tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder silence. Si tu renonces à ces droits, tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant la loi. Officier, amenez-les. Thank you.